caméra. Et... Bonsoir, il y aura une petite... Vous avez remarqué que vous êtes dans une installation très contemporaine. Et je me souviens, il y a très longtemps, Jean-Dominique, un journaliste haïtien à la radio, avait fait une conférence à l'Institut français, il y a très longtemps, dont le titre était « Collier Maldior qui est transistor ». C'était impressionnant parce qu'à l'époque, transistor, c'était à la pointe de la modernité, un peu plus que l'Internet aujourd'hui. Transistor consistait tout simplement à pouvoir circuler avec sa radio. Et pourtant, c'était la pointe, on ne pouvait pas aller plus loin. Et collier Maldior, c'est un peu, c'est un collier haïtien contre les mauvais sorts pour les enfants, un peu l'équivalent créole du scapulaire. Et aussi, c'est un collier fait avec des graines de Maldior. Collier Maldior veut dire pour lui, à l'époque, authenticité et transistor modernité. Alors là, voyez, nous aurons une nourriture haïtienne très authentique et aussi une mécanique, une technique et très, très authentique, très haïtienne aussi. Et donc, nous sommes entrés dans cette modernité en hommage à Jean-Dominique Collier Maldior qui est transistor. Audley Saint-Éloi, journaliste, éditeur, poète, sera avec moi pour présenter, disons, cette littérature haïtienne contemporaine. Ils sont tous là, des voix différentes, et vous allez entendre, voir surtout, cette littérature se développer et les thèmes qui, disons, structurent la sensibilité de cette littérature. Je ne vous parle plus. Alors, on va commencer. On va beaucoup parler de voyage, de cuisine et quoi d'autre et De lecture. Et de lecture. Et de, en fait, comment la nourriture a structuré l'imaginaire haïtien, comment au cœur de la langue haïtienne, j'ai été fasciné de découvrir que dans cette langue créole haïtienne, et que le verbe manger est un moteur puissant. C'est-à-dire tout ce qu'on fait, on le fait en mangeant. Et le verbe manger, on peut remplacer tous les autres verbes par manger. Et puis, et ça fonctionne. Ah, mais d'autant plus que je me souviens, quand j'étais enfant, je lisais, parce que nous, à l'époque, enfin, je ne sais plus, on mangeait dans un seul plat et on mangeait sérieusement. Il n'y avait pas des histoires d'entrée, de sortie. Et quand on a fini de manger, il n'y a pas de dessert. Alors, comme dessert, j'allais lire les livres de la comtesse de Ségur, où il y avait toujours des glaces. Il décrivait des marrons glacés, il y avait toujours des glaces. Parce qu'ils ont l'habitude, la culture du dessert. Alors, pour prendre mon dessert, je ne faisais que lire ces livres, la comtesse de Ségur, d'autres petits livres de la Bibliothèque Rose, où il y avait toujours des desserts et des chiens qui... Donc, pour montrer que la littérature et la nourriture est complètement liée dans notre culture. Ce que j'aime aussi, c'est la description qu'on fait souvent de la figure féminine dans la littérature haïtienne. C'est toujours associé aux fruits et aux fleurs. Il n'y a pas de femme décrite dans la littérature haïtienne qui ne soit pas comparable à une mangue, qui ne soit pas comparable à une rose. Donc c'est vraiment... Et là, je pense que celui qui a vraiment exagéré, c'est... Émile Oumer. C'est Émile Oumer, marabout de mon cœur, au sein de mandarine. Et toutes les parties du corps correspondaient à quelque chose de comestible. Donc tout est comestible en Haïti. Donc la littérature se fait d'abord par la bouche. Et c'est une littérature qui se mange. D'ailleurs, simplement, juste ce matin, j'ai eu l'idée de voir s'il y avait des écrivains, ceux qui seront parmi nous, et qui avaient des recettes ou des choses rappelant la cuisine dans leurs livres, et bien à peu près tous. Et à peu près tous, ils ont toujours une partie où... Il y en a un seul qui n'a pas eu, c'était Néhémie Pierre Daromé, il a été réprimandé. On ne mange pas dans son livre. On ne mange pas dans son livre. C'est quelque chose de c'est pas haïtien ça. C'est pas haïtien. Donc on aura tous ces écrivains qui vont venir nous parler aussi, pas seulement de cuisine. C'est intéressant parce que quand tu parles de la relation entre écrivain et la nourriture, je me rappelle chez Émile Olivier. Je pense que tu étais là. Dès qu'on va le dimanche chez Émile Olivier, on savait ce qu'on allait manger. C'était le canard à l'orange. Mais Émile Olivier est un écrivain haïtien qui a vécu une grande partie de sa vie à Montréal. C'est lui qui avait dit « on est québécois le jour, haïtien la nuit ».
pour montrer qu'on est un peu fou quand l'exil est dur. Et donc, Émile Ollivier est mort il y a quelques années. Mais c'est vrai que là, les deux grands écrivains de Montréal, il y avait le romancier Émile Ollivier qui était tourné vers le cosmopolitisme, et d'où sont ces plats canard à l'orange et toutes sortes de repas japonais. Et Claude Moïse qui ne jurait que par le riz de l'Artibonite, une cuisine nationaliste. Il est historien naturellement. Donc la littérature, vraiment, il y a possibilité de faire une recherche sur ce thème-là. Mais il y a aussi Georges Anglade qui allait, comme il travaillait sur l'aile audience, ce qu'il appelle l'aile audience, donc je pense qu'il reconstituait la nourriture d'époque. Quand vous allez chez lui, c'est vraiment une grosse maison bourgeoise. Et qu'est-ce que vous voyez? C'est l'âme véritable, tom-tom, en fait des plats vraiment populaires, d'ombreille. À 10h, il te sert maïs avec sauce pois, zaboka. Et puis il est tout fier de t'expliquer que ça, c'est la nourriture populaire haïtienne. Oui, tout à fait. Mais il y a un autre thème qu'on va aborder aussi qui est très important, c'est le voyage. Oui. L'influence du voyage, l'importance du voyage. Jamais dans l'histoire haïtienne, les écrivains ont autant voyagé. Les ambassadeurs haïtiens à l'étranger peuvent en témoigner. Vous recevez des écrivains haïtiens en nombre chaque année dans les salons du livre. Ce qu'on est en train de faire, c'est que pour de jeunes auteurs haïtiens souvent, le livre est un passeport. C'est-à-dire qu'il y a de jeunes auteurs haïtiens parce qu'on demande 10 000 choses pour avoir un visa dans un consulat, ce qui est difficile pour un jeune auteur haïtien parce qu'on lui dit un compte en banque, il ne sait même pas ni c'est quoi la banque, ni c'est quoi un compte. On lui demande s'il est propriétaire et il vient avec son livre. Il n'est propriétaire que de l'imaginaire. C'est le passeport, il vous dit, il vient comme ça. Et souvent, c'est vraiment paradoxal, il y a des écrivains qui vont à l'ambassade et qui disent « je suis écrivain ». Et qui ont le visa. Et qui ont le visa. De plus en plus, c'est difficile de voyager, de venir en France. Et dernièrement, je parlais de ça avec toi d'ailleurs, c'était à Saint-Malo. Et juste après, il y a un jeune écrivain haïtien qui est venu et qui m'a dit, je suis allé à l'ambassade avec mon livre, comme vous avez dit, et j'ai pu avoir le visa. Et donc, on est vraiment au cœur de cette question-là. Le voyage se fait par le livre, mais le voyage aussi influence, disons, les auteurs. Nous allons les recevoir tout de suite. Et pour savoir ce qu'eux-mêmes, ils vont dire, « Mais tu veux rester un moment, là. » Oui. Pendant qu'ils arrivent, je... Déjà, vont avoir fait. Oui. Donc, ils seront nombreux aujourd'hui. Alors, on les a divisés en deux parties et deux groupes. Et dans le premier groupe, il y aura Louis-Philippe d'Alembert, James Noël, Emily Prophète, et qui vont arriver et pour essayer de nous parler de ce thème, c'est-à-dire le voyage, la cuisine et aussi la lecture. Pourquoi la lecture? Parce que souvent, moi, on me pose la question, comme si les écrivains caribéens ou haïtiens lisaient d'autres caribéens haïtiens, écrivaient et pour être lus par des caribéens et des haïtiens, et côtoyaient les caribéens et les haïtiens. Donc on leur a dit, c'est pas vrai. La bibliothèque, elle est nombreuse, tous les écrivains s'y trouvent, et que le vrai pays d'un écrivain, c'est quand même sa bibliothèque. Et la bibliothèque n'est pas seulement, uniquement faite d'écrivains caraïbéens. Alors, les voilà. Oui, elle est venue d'Haïti. Ben oui, les voici, les voilà. Alors, Emily Prophète, elle est directrice de la Bibliothèque nationale d'Haïti, 6 à Port-au-Prince. C'est cela, romancière, poète. Absolument. Romancière, poète et journaliste au Nouvelliste, où elle sévissait il n'y a pas longtemps, et puis aussi à la radio, où elle continue encore. Et naturellement, Louis-Philippe d'Alembert. Louis-Philippe d'Alembert, c'est un nom qui impose. Hein. Louis-Philippe d'Alembert, on ne peut pas être le siècle des Lumières et l'aristocratie française. On croyait que c'était antinomique, d'Alembert et Louis-Philippe. Mais vous savez, les Haïtiens. Un des écrivains qui viendra plus tard nous le dira, et c'est Pierre Dahomey. Et les Haïtiens ont le génie des noms. Moi, j'en ai connu un qui s'appelait John Fitzgerald Kennedy Joseph. Alors, en dernier lieu, on a James Noël. Et James Noël est poète. Il dirige une revue internationale, Intranquillité, qui réunit des écrivains de partout, et avec des thèmes qui dépassent nos frontières.
et comme Christophe Colomb, comme Borges, Che Guevara et autres. Alors nous commençons rapidement. Alors Emily, toi qui es directrice de la Bibliothèque nationale, j'aimerais savoir, qui fréquente cette bibliothèque? Est-ce qu'il y a des jeunes? Comment un peu à peu près cette Bibliothèque nationale? Ben, le premier usager, comme l'exige la terminologie, c'est le mot qu'on utilise, c'est l'ambassadeur d'Haïti à Bruxelles, Daniel Suplice. C'est l'un des grands lecteurs de la Bibliothèque nationale, qui est une bibliothèque patrimoniale. Et il y a beaucoup de chercheurs et des écoliers, le Port-au-Princien lambda, l'Haïtien lambda. Mais vraiment, c'est la bibliothèque de tout le monde. Mais c'est parce que cette bibliothèque est à la fois une bibliothèque patrimoniale et une bibliothèque de lecture publique. Mais cette bibliothèque, est-ce qu'elle se divise, subdivise dans les villes de province? Est-ce que... Pas avec la même mission. Il y a la permanence de Port-au-Prince qui est vraiment une bibliothèque de conservation. Nous conservons tout ce qui sort en Haïti et tout ce qui sort à l'étranger, surtout si ce sont des œuvres d'auteurs haïtiens comme... Trois, James, Louis-Philippe, ont leurs livres conservés à la Bibliothèque nationale. Et aussi tous les livres d'écrivains connus comme toi, au premier jeune poète qui publie un petit recueil de 10-12 pages. On conserve ce livre pour les générations futures. Et c'est cette bibliothèque aussi qui donne le dépôt légal, qui permet d'avoir une traçabilité à travers le temps. Donc dans 100 ans, ce livre sera encore conservé, qui donne aussi l'ISBN, qui permet de tracer le livre au niveau international. Mais la bibliothèque, elle n'est pas là comme un grand corps qui attend. Est-ce qu'il y a des choses qu'ils font pour attirer le lecteur, pour aller le chercher? Parce qu'il y a des lecteurs timides et qui ont peur. Bibliothèque nationale, des lecteurs très jeunes ou de classe sociale défavorisée. Oui, il y a des animations, mais c'est une bibliothèque qui reçoit beaucoup de lecteurs et même qu'elle est dépassée depuis quelques temps parce qu'elle a quand même 77 ans et la population a beaucoup augmenté à Port-au-Prince, en Haïti. Donc, elle a beaucoup d'usagers qui viennent et souvent, ces jours-ci, qui ne trouvent pas une place pour faire leurs recherches parce que nous sommes dépassés par la demande. Donc, il y a beaucoup d'animations aussi. Toi, tu y as souvent parlé à la Bibliothèque nationale et Louis-Philippe aussi, James. Donc, et nous recevons des écrivains autour de thèmes divers et variés. Voilà, et le public est toujours présent pour accueillir... ses conférenciers pour discuter avec eux, parce que nous savons tous qu'en Haïti, nous sommes preneurs pour tout ce qui touche au savoir. Donc les jeunes, les gens en général, ils viennent. Mais tu es une bonne directrice de bibliothèque parce que merci, tu as fait des appels du pied à tous ceux qui sont ici pour avoir des livres, pour avoir de l'aide. Parce que je me souviens avoir rencontré quelqu'un de la Bibliothèque nationale. Il dit que l'appétit, il me disait que l'appétit de lecture est plus importante que des livres qu'on pourrait avoir. Donc les Haïtiens sont toujours en demande de plus de livres. Oui, ils demandent plus de livres et il y a plein de petites bibliothèques qui ouvrent dans les quartiers populaires. Et comme nous avons la chance de recevoir beaucoup de livres de la diaspora haïtienne particulièrement, comme toi qui as donné plein de livres au Centre Pen et d'autres Haïtiens qui volontairement, ils vous envoient un conteneur de livres. Et là, ça nous permet de donner ces livres et le don le plus récent a été à une bibliothèque à Jalousie. Donc, ils m'ont appelé, un quartier de Pétionville, un quartier pauvre de Pétionville, et ils m'ont appelé, écoutez, nous avons fait une petite bibliothèque, et moi, je ne pose pas de questions, et on a besoin de livres, très bien, je vous en donne. Parce qu'un livre n'est pas perdu, même si la bibliothèque ne vit pas très longtemps, mais je sais que ces livres vont être répartis entre différentes personnes. Les livres ont des chambres. Voilà, les livres, donc ils vont les lire, ils vont les partager, et c'est intéressant de savoir... Je suis obligé de t'arrêter parce que tu es trop bonne... Non, pas du tout. Une trop bonne directrice de bibliothèque que tu oublies que tu es aussi écrivain. Normalement, quand on tient le livre d'un écrivain, il s'arrête pour qu'on parle de son livre. Mais toi, tu es parti jusqu'à la fin des temps. Et on va parler de toi quand même aussi. Alors, poète et romancier, j'aimerais savoir simplement, pour qu'on soit sûr, le thème principal. Quel est le moteur profond de ton œuvre? Qu'est-ce que tu veux dire?
Moi, ce sont les gens, j'ai envie de parler de... En fait, c'est pas que j'ai vraiment envie de parler d'eux. Ça s'impose à moi beaucoup plus que j'en ai envie et c'est très important. Et je parle des gens. Des gens qu'on rencontre tous les jours dans les quartiers populaires, dans les quartiers huppés. Et je lis, souvent j'ai l'impression de savoir à quoi ils pensent, à quoi ils rêvent. Et je rapporte ces rêves, ces pensées aux gens, leurs envies de voyage, leurs envies d'amour, leur désespoir et les misères auxquelles ils sont confrontés tous les jours. Donc ce sont les gens qui occupent mes espaces. On a l'impression, on vous voit, vous entendre comme appuyé sur la chambre d'une fenêtre en train de regarder la vie passer. Et comme le titre d'ailleurs de ton livre, « Le bout du monde est une fenêtre ». Oui, c'est cette posture que vous aimez ? Oui, j'aime être l'observatrice et aussi la confidente. Les gens ne savent pas, mais je recueille ces confidences-là et j'en parle. Et chacun s'y retrouve. Il y a l'histoire de chacun dans un livre. Donc on s'y retrouve et quand on se donne la peine de le terminer, on finit par prendre sa place, par être avec les protagonistes, les personnages. Et on est le livre, on devient le livre et le livre se partage. Donc c'est ce que j'avais envie de faire dans le dernier, notamment faire se rencontrer des gens qui ne se rencontrent pas. Est-ce que tu as réfléchi au fait, Dani, qu'il n'y a pas vraiment de romance dans notre pays, comme dans les pays d'Amérique latine, dans les telenovelas par exemple. Vous voyez, il y a toujours une situation très antagonique et le blanc ou les riches qui ont une relation difficile avec une jeune indigène. Ça finit bien. Donc, mais il n'y a pas de romance en Haïti. Ah oui, les riches pauvres, comme dans les romans photos italiens. Voilà. Dans la réalité. La servante qui se marie. Voilà, dans la réalité en Haïti, dans les livres, parce que les livres, c'est un peu beaucoup notre réalité, on n'a jamais de situation comme ça où il y a une conclusion et ça marche. Deux personnes de classe sociale différentes. Tu veux dire des choses qui se réalisent uniquement dans les livres ? Non, pas uniquement, mais les livres sont les meilleurs témoins souvent de cette réalité et ça n'est jamais arrivé. Donc nous sommes une société un peu plus trop cloisonnée. Très, 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 très castée. Haïti, la société est castée. Mais castrée. Ah, bon, alors, castra. Castra, on pense à lui. Alors, James Noël, et on va dire le mot qui a le titre de son nouveau livre, qui paraîtra d'ailleurs à la rentrée, mais qu'on a déjà ici, parce que... Hein. On fait des miracles. Alors, belle merveille. Et je suis sûr qu'après la sortie de ce livre magnifique, enlevé, fluide, jeune, dynamique, c'est vraiment, vraiment, tout y est, il y a une fraîcheur totale. On va mettre dans ton nom, James, belle merveille, Noël. Alors, dans ce roman, pourquoi vous êtes... Tu es poète, et naturellement, tu es éditeur de revues. Et brusquement, tu as eu envie de mettre tout ça dans un roman. Pourquoi le roman ? C'est quoi ? C'est l'art suprême ? Bon, j'aime écrire par nécessité intérieure. Au fait, déjà, pour dire, pour avoir commencé, je dois dire que le poulet est très bon. Ah, salions ! Oui. Le vin... Et les pâtés aussi. Je ne suis pas très bon sommelier, mais ouais, c'est pas mal non plus. C'est pas très sympa pour le public qui ne mange pas. Mais le public est solidaire. Ben oui. Au fait, belle merveille. Et, bon, je dois avouer sans courte honte que je ne l'ai pas encore lu. Je l'ai écrit. Mais ça arrive. Oui, parce que surtout, je faisais beaucoup de corrections à la fin. Là, je suis à la moitié, donc je vais... tenter de, voilà, de... Mais ce que tu dis là est tout à fait non seulement vrai, non seulement juste, mais vrai parce que moi je crois que l'écrivain ne lit jamais son livre, n'arrivera jamais. Il peut bien regarder les mots, mais il est tellement intoxiqué. La seule personne qui peut lire un livre vraiment, c'est quelqu'un qui n'a pas écrit, qui n'en est pas intoxiqué. Un peu comme la cuisinière ne peut jamais manger parce que... pour qu'on puisse manger quelque chose, il faut n'avoir pas été présent au moment de la cuisine et ouvrir la porte et dire le mot magique, ça sent bon ici.
Ça sent bon ici. C'est exactement ce que fait le lecteur qui arrive sans effort. Ouais. Et j'étais tellement excité parce que le livre, je l'ai vu sur Facebook. Vous nous dites, tu l'as mis sur Facebook. J'étais en Haïti. Je suis venu il y a 4 jours pour le festival de nos voyageurs. J'étais tellement excité à l'idée de voir le livre. Justement, quand j'ai vu le livre, belle merveille, je me suis dit, tiens, je rentre à la maison. Et bon, il va se passer quelque chose vraiment d'exceptionnel de ce que j'ai fait. J'ai fait le lit, j'ai ouvert le livre et j'ai éteint la lumière pour vivre le livre. Parce que, au fait, parce que c'est le titre, Belle Merveille. Belle Merveille, c'est quoi Belle Merveille? C'est une expression haïtienne qui traduit l'extraordinaire, qui traduit le merveilleux. Et, c'est fait, plus fort que la romance, le merveilleux. Oui, c'est tout à fait. Et puis, en même temps, c'est... Et ça traduit, c'est ambivalent, ça peut traduire un événement heureux ou malheureux. Et moi, par exemple, j'ai comme poète vivant, comme le Philippe, comme Emily, comme Dany aussi, qui a sombré dans la prose depuis toujours. Et je voulais justement, je n'ose pas dire que j'étais un poète fatigué, mais en même temps, au bout de 15 livres, on est légèrement blasé sur les bords. Donc du coup, passer au roman, c'est proposer une nouvelle fraîcheur, une nouvelle jeunesse. Et puis, il y a beaucoup de choses que je voulais dire dans mes poésies et qui passent pour moi. Mais en même temps, au niveau du scandale, en tout cas pour moi, par rapport au sujet, parce qu'il y a plein de sujets dans ce livre, pour moi, c'est, je voulais proposer quelque chose au grand public. C'est-à-dire, le roman a un plus grand lectorat, c'est ça que tu veux dire? Tu voulais toucher... Plus de gens. Au fait, dans la poésie... Parce que les poètes ont l'impression que vous lisez entre vous. Oui, beaucoup. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Au fait, c'est peut-être pas mon cas, mais par exemple, c'est quelque chose qui me repousse beaucoup dans ce domaine. Que Philippe dit pas toujours. Pas toujours. Pas toujours. Mais une question. On dit qu'il y a certaines difficultés pour les poètes de faire des romans, parce que le roman poétique, quand il y a overdose de poésie, ça peut être une gêne. Au fait, j'ai le sentiment d'avoir écrit des romans dans mes poèmes, sauf que ça ne s'est pas vu par les journalistes ou quelques lecteurs m'ont signalé. On m'a dit, James, tel poème, c'est un début de roman. Ça, comme le début du roman, de la poésie. Pour moi, il n'y a pas de compartiment vraiment entre les gens. C'est comme dans la revue Intranquillité, il n'y a pas de compartiment entre les gens. Mais en même temps, c'est... Le marché a ses règles. Oui. Mais là, il y a l'éditeur. René Saint-Éloi qui publie de la poésie, qui publie des romans dans sa maison et des essais. Alors, René Saint-Éloi, parce qu'on a causé tout à l'heure, mais je ne l'ai pas présenté, René Saint-Éloi était éditeur en Haïti de Mémoire, des éditions Mémoire. Alors, il est arrivé au Québec et il a fondé les éditions Mémoire d'Encrier. Et comme son grand poète fétiche, La Vertige, qui a publié un livre, un premier recueil qui s'appelle Idem, et des années plus tard, il a publié Ibidem. Donc ce sont des... Donc René Saint-Éloi a apporté quelque chose de neuf dans la littérature québécoise et peut-être même canadienne. Il a fait entendre la voix des Amérindiens. C'est-à-dire qu'on croyait une culture uniquement orale. Et de plus en plus d'écrivains... Tu es là et vivant, hein? Oui, mais je te nomme mon porte-parole, parce qu'il faut... Enfin, je pense qu'il y a, d'abord, dans la tradition littéraire haïtienne, d'abord, la poésie est un genre dominant. C'était pas... Tout le 19e siècle était vraiment de la poésie, c'est-à-dire que tous les écrivains haïtiens, même Louis-Philippe d'Alembert, ont commencé par la poésie. Pourquoi même Louis-Philippe? Ça veut dire que... Je pense que... Et dernièrement, on a fait une soirée avec Dany, il était tellement fier de lire son poème sur Paris. Il dit, je vous lis mon poème. C'est vraiment... C'est comme si... Un poème. Je pense qu'il y a un imaginaire aristocratique en Haïti, et c'est le poème qui traduit cet imaginaire. C'est-à-dire qu'un vrai écrivain, même le président, un véritable président haïtien doit être... Absolument. Ça commence, voire pour James, Duvalier a commencé par la poésie. Donc je pense que c'est... Absolument. Pour parler des Amérindiens, on a été en Haïti et je vois Elisabeth Babette, mon amie, qui fait un travail extraordinaire en Haïti pour la circulation des livres. Je vous dis merci, Babette. Avec Focal. la focale extraordinaire. Donc, il y a des... On a fait les rencontres québécoises en Haïti avec Dany. On a fait... Donc, il y a
Parce que la littérature, on parle de voyage, il faut vraiment, en fait, mélanger les cartes, le nord, le sud, brasser les cartes un petit peu, éviter les topologies, éviter, donc, reconstruire la géographie. C'est-à-dire que ne pas donner le privilège au nord d'aller vers le sud, mais le sud aussi peut... Non, le contraire. Faire le contraire. Oui. Donc, et c'est ça qu'on a fait avec les Amérindiens qui sont venus en Haïti, et c'était extraordinaire. Ils se sont rencontrés. Une minute pour raconter cet événement qui s'est passé à La Focale. Et c'est-à-dire, Haïti, les Haïtiens, les écrivains, les artistes, les gens, on a quelque chose, une part manquante. Et c'est étonnant parce qu'elle existe, cette part manquante, c'est les Indiens. Les Indiens, on est arrivé sur une terre qui a été complètement décimée, génocide. Et en plus, on a mis ça sous le dos des Indiens. On a dit que c'est les Caraïbes qui étaient mangeurs d'or, les Caraïbes et les cannibales. Alors que c'est l'Espagnol qui a réglé ce problème. C'est-à-dire, mais ça reste... Même durant les carnavals en Haïti, on a toujours vu des bandes d'Indiens. Donc on voit bien, il y a toujours dans le théâtre haïtien Anacaona. Anacaona reste comme la plus grande figure littéraire et féminine haïtienne. Donc, et puis un soir, à La Focale, il y a eu cet événement où Né Saint-Éloi a amené 50 écrivains et éditeurs en Haïti. Et un soir, on était à La Focale et il y a une femme qui s'appelle Joséphine Bacon qui s'est levée et qui a chanté en inou et qui a dit un poème en inou. C'est-à-dire, pour la première fois, on avait le son. Je peux dire le poème pour vous. Hein. Ah ben... Je me suis faite belle pour qu'on remarque la moelle de mes os, survivante d'un récit qu'on ne raconte pas. C'est magnifique. C'est magnifique. Et ça a été dit en inou, et elle a poursuivi, et j'ai vu la salle complètement tétanisée, en train d'entendre un son dont on n'avait que l'image. Et c'est un moment extraordinaire, et on a voulu, et Rodney Saint-Éloi a publié toute cette littérature pour faire entendre au monde entier cette langue, et la faire entendre de manière écrite, qu'on n'a pas entendue depuis longtemps, les premiers habitants d'Amérique. Petit moment. Louis-Philippe, je mange. Louis-Philippe d'Alembert. Alors, Louis-Philippe d'Alembert, il faut venir et puis avec force, avant que les ombres s'effacent. Retenez bien le titre, avant que les ombres s'effacent. Moi, je milite pour ce livre et je trouve que c'est un livre exceptionnel. Louis-Philippe d'Alembert, ce livre restera parce que Il a parlé de tous les lieux qu'il connaît, de toutes les histoires qui l'ont touché personnellement, c'est-à-dire Israël, Berlin, la Pologne, Paris, Port-au-Prince, tu me dis s'il y a d'autres... C'est Cuba, ça Cuba, la Havane. Ça aurait pu être une sorte de buffet chinois. Eh bien non, il y a ce style vraiment... il y a une sorte de mouvance... Il a atteint et très travaillé, très écrit, parce que très écrit, pas trop écrit, très écrit. On n'a pas, il n'y a pas un paragraphe où on n'est pas un peu baba devant la qualité de l'écriture. Et avec ce livre, que j'aimerais bien que tu nous dises ce qu'il raconte. Oui, en fait, il s'agit d'une saga familiale qui se déroule sur un siècle pratiquement entre 1913 et 2010. L'histoire commence en 2010, tout le monde sait ici ce qu'il y a eu. Ce qui s'est passé en 2010, donc le tremblement de terre, mais ce n'est pas ça le sujet principal du livre, c'est juste deux petits chapitres, deux pauses. En fait, en 2010, le deuxième pays à arriver en Haïti après le tremblement de terre, ça a été Israël. Israël, donc avec l'un des contingents les plus importants de secouristes et de médecins. Et là, j'imagine un vieux médecin. Donc, qui est devenu haïtien, mais qui au départ était juif polonais, donc qui rencontre sa petite cousine venue d'Israël et qui décide de lui raconter son histoire. Quelle histoire ? Et son histoire commence en 1913 dans une ville qui s'appelle Łódź, en Pologne. Et 5 ans après, la famille émigre à Berlin. C'est d'abord l'histoire d'un livre. Qui est l'histoire d'un livre ? En tenant filmé. Alors, c'est l'histoire d'un livre qui a été trouvé dans la famille et les gens ne savent pas qui en est l'auteur, d'où il venait, et le livre est là comme un talisman. Oui. Dans la famille, c'est le livre d'Antonin Fumé, un auteur haïtien. De l'égalité des races humaines.
de l'égalité des races humaines. C'est un livre important, excusez-moi, parce qu'il faut le placer. Arthur de Gobineau avait écrit en Europe de l'inégalité des races humaines. Oui. Personne n'a répondu. Bouche cousue, toute l'Europe. Les trois réponses sont venues d'Haïti. Oui. Antenor Firmé a écrit de l'égalité des races humaines. Louis-Joseph Janvier a écrit à peu près de l'égalité ou l'égalité des races humaines. Et il y avait un autre général qui a écrit aussi sur la réhabilitation. Oui, Hannibal Price. Donc les trois réponses des livres de 350-400 pages sont venues d'Haïti. Alors, donc c'est devenu un livre important dans ce livre. Oui, c'est devenu un livre très important parce que c'était une famille juive assez francophile donc qui lisait déjà le français. Donc c'est à partir de ce livre que le jeune docteur Ruben Schwarzberg, celui qui va devenir médecin, apprend à lire. Il apprend à lire en français et cette famille va partir à Berlin. Et Berlin, il reste jusqu'à une vingtaine d'années, jusqu'à l'arrivée du nazisme. La montée du nazisme. Pourquoi j'ai écrit ce livre? C'était d'abord pour rendre un hommage à Haïti. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en 1938 d'abord, après l'échec de la conférence des Viennes, Haïti, et le Chili aussi, mais Haïti, propose d'accueillir 50 000 juifs. Donc, c'est une idée qui est combattue par les États-Unis, notamment par le secrétaire d'État américain de l'époque qui s'appelait Summer Wells. Et ils avaient peur que parmi les réfugiés, qu'il y ait des espions du service de renseignement de l'armée allemande. Donc Haïti est obligé de faire marche arrière. Et en 1939, Haïti prend ce qu'on appelle un décret-loi in absentia. Ils disent que tous les juifs d'Europe qui voulaient, ils entraient dans un consulat ou une légation haïtienne et ils prenaient ou bien la nationalité haïtienne ou bien on leur délivrait des sauf-conduits pour pouvoir quitter l'Europe. Donc, et là, donc j'imagine... Donc les ambassades haïtiennes étaient... Donc, et l'histoire pour moi a commencé en fait par un ancien ambassadeur haïtien en Allemagne qui m'a dit qu'un jour il était assis à son bureau et puis sa collaboratrice vient le voir en insistant et lui dit que tiens, il y a un monsieur en bas qui veut à tout prix le recevoir. C'est un type qui passait et il voit le drapeau haïtien et il monte. Et il insiste, donc finalement l'ambassadeur d'Haïti le reçoit et le mec, il se jette dans les bras de l'ambassadeur en pleurant. Il dit qu'il doit la vie à Haïti. Et le mec qui ne pouvait pas être né pendant la guerre, c'est parce que ses grands-parents avaient reçu des sauf-conduits pour quitter l'Allemagne et c'est comme ça que lui, il avait pu naître aux États-Unis. Donc, et à partir de cette anecdote-là, donc j'ai commencé à imaginer une histoire et qui est cette histoire, avant que les ombres s'effacent, que le vieux docteur Schwarzberg, donc en 2010, va raconter à sa petite cousine. Donc ça a été ça pour moi le premier point. Mais il y a quand même quelque chose de symbole puissant. C'est-à-dire que Haïti est l'un des premiers pays à déclarer la guerre à l'Allemagne. Et le président Lescaut déclare... nous déclarons la guerre à l'Allemagne nazie. Il y a les seuls. Magnifique. Alors qu'est-ce qu'il dit ce président? Donc il dit je déclare la guerre à l'Allemagne et dès demain nos bombardiers sillonneront le ciel bleu de Berlin. mais techniquement c'est pas possible. Le coup de temps est trop bref. Et en plus, c'était de vieux bombardiers qui venaient de la Première Guerre mondiale, qui n'arrivaient même pas à traverser l'Atlantique. Mais, mais les Juifs n'ont pas ri. Non. Parce que symboliquement, c'était important. Symboliquement, c'était très important. C'est le premier pays et les États-Unis traînaient à déclarer la guerre. Oui. Et voilà, en Amérique, il y a un pays qui déclare la guerre. Mais moi, justement, je suis bien content que tu aies souligné ça parce que cette note d'humour, c'est ce qu'on retrouve dans le livre. C'est-à-dire qui est dans l'histoire, mais qu'on retrouve dans le livre aussi. Je voulais, tout en rendant hommage Haïti, que ce ne soit pas un énième roman sur le génocide des Juifs, et trouver un ton. Et le ton, pour moi, ça a été cet humour qui s'est appuyé un peu sur ce qu'on appelle vulgairement l'humour juif, qui est une forme d'autodérision qu'on trouve beaucoup en Haïti. C'est-à-dire que l'Haïtien est le premier à rire de lui-même, mais qui n'accepte pas que les autres rient. Mais c'est le premier à le faire. Donc, le roman a été écrit comme ça, c'est-à-dire rendre hommage à Haïti, raconter cette histoire, cet épisode méconnu de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, cette déclaration de guerre, pas seulement à l'Allemagne, à l'Empire nippon et au Royaume d'Italie. Oui, pas moins. Aux puissances de l'Axe. Et aux puissances de l'Axe. Et il faut savoir qu'à l'époque, Haïti fait moins de 3 millions d'habitants quand même. Donc, maintenant, on a déclaré la guerre. Maintenant, le roman lui-même, il faut dire que ce n'est pas une galéjade. C'est un roman très sérieux, très, à la fois grave et très drôle, écrit par un écrivain, je le dis, au meilleur de sa forme. Je n'étais jamais vu aussi en forme, tranquille,
tranquille. Oui, il n'y a pas de précipitation dans le livre. Il n'y a pas de désir de faire rire. Il n'y a pas d'envie, de gravité. Et tout vient à point. Il y a un personnage quand même qui reste fondamental. C'est ce Johnny. Ce Johnny, c'est vraiment un Haïtien. Le type, il est au cœur d'un camp de concentration nazi et il fait des affaires. Oui, c'est ça. Il fait des affaires parce que c'était un moyen de survie pour lui. Et en fait, ce type qui a été au camp de Buchenwald et qui s'appelle Jean-Marcel Nicolas. Donc, je me suis permis une liberté historique parce que lui, il a été à Buchenwald en 1944. Mais le personnage du roman, lui, a été à Buchenwald en 1939. Donc, je l'ai ramené en 1939 pour qu'ils puissent se rencontrer. Donc, ils se rencontrent et c'est lui qui ne comprend pas que Ruben Schwarzberg connaît un certain nombre de personnes. Il lui dit, mais pourquoi tu n'écris pas? Écoute, moi, je me charge de faire sortir la lettre du camp de concentration. Et effectivement, il a réussi à faire sortir la lettre. Et il lui dit, surtout, si tu passes par Paris, va voir ma copine Ida Faubert. Et Ida Faubert, c'est la fille d'un ancien président. Lysis Félicité Salomon. Lysis Félicité Salomon, poète, chef d'État. Oui, et Ida Faubert, c'était une grande poétesse. Et elle a effectivement vécu pendant cette période à Paris, en 1939 notamment, et à la rue Blomet, dans le 15e arrondissement, à côté d'une boîte qu'on appelait le Bal Nègre, à l'époque, où est passée Joséphine Baker. À l'époque aussi, il y avait pas mal de groupes avec des Haïtiens. Et à la Coupole, et au Montparnasse, par exemple, il y avait un groupe avec 7 musiciens, dont le chef d'orchestre s'appelait Depestre Salnave. C'était un Haïtien, bien entendu, qui jouait du sax et de la clarinette. Il y avait un autre Haïtien aussi, ils étaient 3 dans le groupe, un autre qui s'appelait Maurice Thibault, qui était pianiste. Donc c'est une période où vraiment Paris, ça bougeait dans tous les sens, ça swingait, on dansait dans Charleston, etc. Quand James Noël se croit le premier Haïtien à Paris, et quand on remonte dans le temps, c'est une continuité. C'est ça. C'est intéressant de visiter les villes comme ça et de voir les gens qui sont allés, les gens qui ont fait des choses, parce que si à chaque fois on réinvente la roue, alors, je dirais... plus, il n'y avait pas que Ida Faubert, il y avait aussi Roussan Camille. Roussan Camille, le poète de Nedjer, qui est là. C'est un poème que tout le monde connaît par cœur, Emily, oui, entre autres. Tu n'avais pas 16 ans, toi qui disais venir du Danakil. Et que des blancs pervers gavaient d'années de whisky. Voilà, tous les Haïtiens dans la tête. Dans le signe fumeux de Casablanca, le soir coulait du sang par la fenêtre étroite, jusqu'au burnon d'Espaillie affalé contre le bar, et dessinait là-bas, au-dessus du désert proche, des pics visions de choc et de poursuite, de revers et de gloire. Un soir sanglant qui n'était qu'une minute de l'éternel soir sanglant de l'Afrique. Voilà. Jusqu'au bout. Mais ce que j'ai aimé, c'est les moments. Comment tu passes des moments dramatiques quand même. Il y a la scène à Berlin, la nuit du cristal, enfin, là on tue. Oui, on tue, et on assassine, on brûle, on incendie les commerces des Juifs. Et là aussi, un autre épisode. Une voiture arrive. Il y a l'ambassadeur d'Haïti. À l'époque, et c'est historique, avait sauvé la vie de quelques familles en les recueillant, en les plaçant dans l'ambassade. Donc, ce sont autant de petits points ou d'anecdotes, si tu veux, que je reprends dans le roman, mais tout en essayant de garder une forme d'humour, parce que le type, lui, avec son père, le docteur Schwarzberg, il court, parce qu'ils sont poursuivis par des assassins. Et l'autre, il ne pense qu'à une chose, qu'à tenir sa kippa pour que la kippa ne tombe pas. Donc, le fils lui dit, mais écoute, jette cette foutue kippa et cours, quoi. Donc, c'était ça, l'idée. Donc, et pour moi, c'était très important de le mettre. Mais pour en revenir à Paris, Roussan Camille, qui était vraiment ce qu'on appelle en Haïti un bambocheur, un fêtard, il connaissait justement toutes les nuits de Casablanca, mais les nuits de Paris. Et Ruben Schwarzberg, qui a un côté très germanique, très teuton, et puis qui va tomber sur une Haïtienne de 20 à 25 ans, son aînée, qui va le dégourdir un petit peu, lui apprendre la vie. Quoi, en fait. C'est Ida Faubert. Non, c'était pas Ida. On ne le dira pas. Je n'ai pas l'adresse. Alors ça, c'est vraiment important parce que dans cette liste... Alors je voulais, chez les écrivains, et voir un peu le rapport avec la cuisine. Alors dans ce livre de Louis-Philippe d'Alembert, Madame Faubert avait troqué la traditionnelle collation française contre un petit déjeuner à l'haïtienne cuisiné de ses propres mains et qui, beaucoup plus solide,
vient rappeler à Rubens les repas en famille le matin en Allemagne. Des racines de toutes sortes, manioc, igname, dont il ignorait l'existence, flanquées de morue à l'échalote, à la vinaigrette et au piment vert, de tranches d'avocat fondant d'une salade de bananes et de mangue, accompagnait un épais jus de corosol au lait. C'est-à-dire que vous renversez le verre, le jus est encore là. Le jus est encore là. Le corosol, le docteur Schwarzberg voulait savoir où son hôtesse avait bien pu dégoter toutes ces vives et fruits exotiques dans Paris. Il l'imaginait mal, cabas à l'épaule, les rapportant du marché. Roussan Camille présenta les vives pour son ami à sa manière bavarde et lyrique. À l'entendre, ses produits tenaient leur excellente saveur du seul terroir haïtien. Donc, il y a beaucoup d'Haïtiens là-dedans, il y a beaucoup, mais je ne peux pas dire que tu exagères en présentant Haïti dans cette, parce que c'est une continuité de l'histoire haïtienne, c'est-à-dire s'intéresser aux autres, depuis Pétion. Ah oui, depuis Pétion, c'est-à-dire, on le sait, en 1814 puis en 1816, Pétion a reçu par trois fois Simon Bolivar, hein, qui est venu en Haïti, qui a reçu des hommes, de l'argent, un bateau, des armes pour aller et libérer les pays de l'Amérique du Sud. Miranda, José Francisco Miranda après. Même certains libérateurs cubains, José Martí, Antonio Maceo, sont partis du Cap haïtien. Donc, c'est une tradition, cette tradition de solidarité. Et donc, il ne faut pas oublier aussi, quand Haïti, en 1938, va proposer d'accueillir 50 000 juifs, Haïti sort jusqu'en 1934, de 19 ans d'occupation états-unienne. Et qui est une occupation qui a été vécue comme une espèce de... C'est comme si la blessure coloniale s'était rouverte. Donc, et Haïti, c'était difficilement supportable, acceptable de voir qu'un peuple était, opprimé à cause de son ethnie. Parce que les Juifs étaient considérés comme un peuple à part. Et pire encore, c'était considéré comme dans la propagande nazie comme des rats. Et tu parlais, tout à l'heure, du livre de Gobineau. Et il faut savoir que ce livre a été l'un des livres qui ont inspiré Hitler. Ça a été l'un des livres de chevet d'Hitler, et l'essai sur l'inégalité des races humaines. Donc, et quand on sait que Anténor Firmin a répondu déjà à cette époque-là, on se rend compte combien le monde avait reculé. Hein. Donc Hitler, c'est 33, et Anténor Firmin avait répondu en 85 déjà. Donc c'est incroyable, mais c'était très très important. Haïti a cette tradition de solidarité très très forte de tout temps. Et le livre de Gobineau est repris de la collection chez René Saint-Pierre. Non, mais avant, ça a été. Et le livre d'Anténor Firmin, justement, a été repris chez René Saint-Éloi. Et l'égalité des races humaines, ça a été repris chez Mémoire d'Encrier. Donc c'est encore disponible chez Mémoire d'Encrier parce que c'est important qu'un tel livre puisse rester dans la bibliothèque haïtienne le plus longtemps possible. Oui. Donc Louis-Philippe d'Alembert, moi je ne vais pas faire du tout émission, mais je vais simplement dire que ce livre restera aussi parce qu'il y a là et toutes nos gloires d'avoir participé à la Seconde Guerre mondiale selon nos possibilités. Et d'avoir fait rire pour ensuite faire pleurer. Mais juste un petit mot, ce n'est pas uniquement en accueillant les Juifs. Il y a eu des Haïtiens qui ont été dans les rangs, d'une part de l'armée française, d'autre part des pilotes haïtiens notamment qui ont été formés par les États-Unis et qui sont partis aussi, comme on dit, dans la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a eu un certain nombre d'Haïtiens à partir dans les rangs français et dans les rangs états-unis. On a été sur les rangs aussi. On a été sur les rangs. Mais connaissant ton pays, je ne voudrais pas qu'à partir de ce livre, il croit que c'est nous qui avons gagné. C'est nous qui avons gagné. C'est clair. Attends, je t'ai raconté l'histoire. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a une réunion de cabinet ministériel. Et puis à un moment donné, l'un des ministres dit au président, j'ai trouvé la solution pour développer Haïti. Et puis tout le monde s'arrête, dit, comment et on va faire? Il dit, c'est simple, les Européens ont déclaré la guerre aux États-Unis, les États-Unis ont détruit l'Europe, et après ils ont fait un plan Marshall, et ils ont reconstruit l'Europe, et l'Europe est développée. Tout le monde dit, ah ben oui, c'est évident, donc nous on va déclarer la guerre aux États-Unis, ils vont détruire Haïti, et les États-Unis vont nous développer. C'est aussi simple que ça. Tous les ministres applaudissent, bravo, bravo. Puis le président dit, attends, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Il dit, pourquoi? Oui, mais imagine qu'on gagne la guerre. Donc, nous,
on serait obligé de reconstruire les États-Unis. C'est ainsi qu'on est resté. Alors je reviens à Belle Merveille, dans ce petit texte où il parle de nourriture. De nourriture, aujourd'hui, c'est aujourd'hui ciel aride, les oiseaux sont partis. Mes amis, ce pays est maudit, les oiseaux sont partis, se désole une marchande de pistaches. Et non pas vraiment, réplique Amor, qui en achète un petit gobelet. Son ami Sanson, intellectuel et chasseur, c'est joli, intellectuel et chasseur, se rend tous les... La chasse à l'amour est chasse de haut vol. Se rend tous les week-ends à la chasse du côté de Mont Cabri, non pour chasser des chèvres et des cabris, mais pour ramener des paniers de canards sauvages. Ces bêtes et cervelées, mais combien compatibles à nos casseroles, une fois marinées dans de bonnes épices, de l'ail, du sel, du citron jaune, de l'oignon, sans oublier un bon bout de piment bouc, viennent en grand nombre depuis l'autre côté de la frontière avec la République dominicaine. Les oiseaux ne sont pas regardants comme les frères humains, moins humains que les autres. Nous adorons les murs, adorons tracer les frontières, causer des temps, morceler les territoires, périmètre par périmètre. Nous adorons éventrer la terre par le bas-ventre. Certaines espèces se mettent en quatre pour la réinventer. Mais nous autres, en un tour de main, vlan. Donc, ce Belle Merveille est exactement écrit comme ça, c'est-à-dire alterne des choses de la vie concrète, des choses qu'on mange, avec des diatribes, des tirades et sur le sort des humains. Donc vous n'hésitez pas à faire des clins d'œil même à Villon, Frères humains. Frères humains, absolument, parce que malgré moi, à chaque fois justement, je cède encore à la poésie. Donc du coup, mes références les plus familières sont les poètes. Et je vais revenir un petit peu à Belle Merveille, mais en même temps, c'est l'occasion aussi de parler d'une anthologie de poésie haïtienne que j'ai coordonnée et dont Audenay a fait la postface avec moi, justement, qui rassemble plus de 73 poètes haïtiens vivants et qui est là, c'est publié chez Point. Et pour moi, justement, c'est l'idée de Belle Merveille, ça veut dire de faire des choses, justement, surréaliste. Qui dépasse l'ordinaire. Oui, pour moi, ça renvoie encore un peu à cette quête, justement, hein, qui est une quête tout à fait haïtienne. Vous avez écouté le film d'Alembert, vous avez écouté Dany, justement. Hein, je trouve que le merveilleux, justement, la dimension, justement, surréaliste, c'est quelque chose qui sied facilement, justement, au quotidien haïtien. Et Belle Merveille, et justement, je me mets dans une espèce de mixeur et plusieurs catastrophes, dont le tremblement de terre, le choléra en Haïti, et la tempête Mathieu, le scandale justement du tourisme humanitaire, les ONG, et beaucoup de choses que je mets dans un mixeur comme ça, et pour produire quelque chose de miraculeusement joyeux. Et donc du coup, c'est ce pari-là. C'est la promesse de la littérature haïtienne de faire du malheur un chant joyeux. C'est extraordinaire, donc c'est une belle merveille. Belle merveille. Je finis avec ce texte d'Emily Prophète sur la nourriture aussi. Marcel mangeait à peine. Ça existe en Haïti, manger à peine. Cette phrase me semble bizarre. Enfin, on va voir savoir pourquoi. On va savoir pourquoi. Jeff, tu peux manger. La soupe manger à peine. La soupe et la nourriture du midi qu'Ifona lui faisait livrer ne semblait plus du tout lui plaire. Il buvait en cachette. C'est pour ça qu'il mangeait à peine. Dans les bouteilles de trempé. Trempé, c'est une boisson haïtienne et très... Une mixture avec des feuilles et de l'alcool, des racines. Des revigores. Voilà, qui ravigote beaucoup. Hein. Tu en sais quelque chose. Oui, Samuel faisait semblant de ne rien remarquer. Il ne voyait pas comment, lui, il aurait pu interdire quelque chose à Marcel. Il ne voulait pas non plus que le vieil homme, il aime les mixtures, il est vieux. C'est pour ça qu'il mange à peine... C'est ça un bon écrivain. On va savoir, après la première phrase, pourquoi. Samuel et ne voulait pas non plus que le vieil homme soit mal à l'aise d'une quelconque manière à cause de lui. Ce qu'on voit, comme on dit dans les analyses littéraires d'époque,
c'est la femme qui écrit le moins sur la nourriture de ces écrivains-là. Ah, eh bien. Bonsoir. Oui, voilà Martine Fidèle. Martine Fidèle, j'aimerais juste tout simplement attendre l'opinion d'Emily Prophète sur ce roman qui est quand même le dernier publié et qui dit un peu « Le bout du monde est une fenêtre, c'est aussi le bout de ton art ». On a l'impression que tu es allé au plus fort. Oui, j'espère. Je voulais faire que des gens se rencontrent et parler de rencontres impossibles, d'amour. Et d'amour malgré tout, d'amour qui traverse les fenêtres même quand elles sont fermées. Donc c'était ça, c'est un voyage dans les bas quartiers de Port-au-Prince, mais aussi dans ce qui reste d'une certaine bourgeoisie qui s'enferme. Donc c'est ce dialogue que j'ai essayé d'établir entre deux personnes de milieux totalement différents. C'est une romance. En fait, ce n'est pas une romance, parce que les romances sont impossibles. Sont impossibles. Donc, ce sont des histoires qui ne finissent pas parce que les personnes n'arrivent pas à se rencontrer, n'arrivent pas à trouver les mots qui pourraient les rassembler. Donc, c'est un défi à la citoyenneté en Haïti, parce qu'en Haïti, nous n'avons pas une sphère commune de citoyenneté. Donc, nous n'avons pas les mêmes repères souvent et nous n'arrivons pas à nous rencontrer pour faire ce pays dont nous avons tellement besoin. Mais est-ce que par la fenêtre, il n'y a pas une histoire d'amour inachevée? Il y a une histoire d'amour inachevée. Ce petit mécanicien qui ne voulait pas. Parce que la fille, justement, était claire, il y a beaucoup de problèmes. Et qui est claire de peau, tu veux dire. Et qui est claire de peau, voilà. Donc, ils se sont regardés, ils se sont aimés sans jamais oser s'approcher. Donc, mais c'est une très belle conversation, une conversation des sens. Ah oui. Qui est peut-être plus importante qu'une conversation avec des mots. Donc une conversation des sens, ça veut dire que c'est à distance qu'on se retrouve. Facebook. Non, pas Facebook du tout. Instagram. Non, Instagram. Non, mais il y a une pudeur. Et oui, il y a eu ça, moi je me souviens, qu'il y a eu un moment où il suffisait de passer dans la rue de la jeune fille et on était tellement, l'éclat était tellement impressionnant. Et qu'au moment de passer devant sa maison, on regardait de l'autre côté. On ne pouvait pas croiser un tel regard. Et même la mère, même du fond de la maison, savait qu'il se passait quelque chose. Joséphine, à l'intérieur. Et cet amour à distance, c'est le bout du monde est une fenêtre. Et voilà la plus jeune de cette tablée ce soir, là et plus tard même. Alors, oui. Rapidement, pour savoir qui tu es, en dehors de la politique, de la vie réelle, qu'est-ce que tu fais? Tu es journaliste? Merci. Ben oui. C'est un journaliste au Nouvelliste, qui est le quotidien national, qui a peut-être plus d'un siècle. Et ce quotidien est magnifique quand même, tu as survécu. Et aussi à la radio? À la radio, j'ai fait de la radio pendant des mois. On va dire moins de 5 mois, à Magique 9. À Magique 9. Oui, j'animais aussi l'émission Nicole Laguet. Oui. Donc c'est avec des jeunes. Mais c'est quoi ta journée alors, à cette époque-là, mettons? Il y avait la radio, le journal. Oh, c'était fou, ces périodes-là. En fait, moi je laisse toujours chez moi vers 10h du matin. Oui. Je me fonce dans la rue. De cette période-là, je n'avais pas de voiture encore. Donc je descends à la rue du Centre. Je laisse la rue du Centre. Alors, la rue du Centre, c'est le Nouvelliste. Je laisse la rue du Centre, je monte à Delma 75, soit en moto ou en camionnette. Je participe à l'émission. L'émission, c'était quoi? En fait, l'émission, c'est, on va dire, c'est une variété culturelle. Là, on parle de tout, on parle des actualités des artistes. Moi, j'y étais pour rapporter une grammaire, parce que ça concernait aussi les écoliers. Hein. Ok. Oui, je lisais l'élocution française, je donnais des petites notes grammaticales. Ah, mais c'est intéressant parce que c'est au cœur de la culture haïtienne, je ne sais, c'est-à-dire le désir d'une langue, d'une belle langue. Parce que je me souviens, à mon époque, si on fait une faute de français en public, il faut laisser au moins le quartier. on peut pas faire. Donc c'est quand même, c'est pas partout qu'on a comme ça, dans les émissions culturelles et un peu de variété, quelqu'un qui s'occupe de...
du soin de la langue, c'est ça. Ouais. Et vous faisiez ça. Mais oui, comment vous préparez ça, comme un professeur? La oui, veille, vous regardez votre grammaire, vous choisissez. La veille. D'ailleurs, c'était un peu chaque jour l'émission. À cette émission-là. Je lisais ma grammaire, les règles, tout et tout, et puis je les partageais. Vous les partagez. Et puis après l'émission, non, mais je prends la route. Revenons au centre, à la rue du centre. La rue du centre, c'est au Nouvelliste. Qu'est-ce que vous donniez? Quelle sorte d'article? Qui était là? Comment ça se passe? En fait, j'ai été à la section culturelle depuis 2012 jusqu'à janvier 2017. Donc j'étais là. Dans un premier temps, j'ai été pigiste, puis je suis devenue employée. Et puis à un certain moment, j'assistais le responsable en chef. OK. Oui. Et là, qu'est-ce que vous faisiez? Vous choisissez les articles dans ce cas-là? J'écrivais, je recevais les articles, je les corrigeais, je faisais un peu la page. La page veut dire vous placez les articles. Les articles, j'assiste les graphistes, mais j'attends que ça soit normal, publié, oui, oui, oui. Et puis je rentre chez moi et ça pouvait être à 2h du matin, n'importe quoi. Ah, c'est-à-dire, mais de, parce que je sais que Port-au-Prince se lève très tôt. Oui. Port-au-Prince se couche tôt, mais se lève très tôt. C'est-à-dire, dès 5 heures du matin, tout le monde est debout. Oui, oui. Si vous êtes dans votre lit à 8 heures du matin, c'est que vous êtes malade. Il n'y a personne qui soit dans son aussi. Lit à 8 heures du matin à Port-au-Prince. Oui, oui. Alors, de 5 heures à 10 heures, qu'est-ce que vous faisiez à la maison? Du matin? Oui. Non, mais ça a l'air banal. Oui, 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 oui. Mais je vais vous dire pourquoi. Mm-hmm. Parce que tout le temps qu'on parle d'Haïti, c'est toujours politique. C'est toujours, c'est comme si la vie quotidienne n'existait pas. Voilà la vie quotidienne d'une jeune femme. Vous avez commencé à quel âge et tout ça? Vous aviez quel âge quand vous avez commencé à écrire des j'avais articles? J'avais 16 ans. Non, des articles, oui, c'est oui. En 2012. C'est en 2012, oui, mais oui. Pour la radio, pour... En 2012 aussi avec la en 2012 radio, aussi. Mais l'écriture c'est depuis 16 ans. Depuis l'âge de 16 ans. Donc les articles vous permettez de vivre un peu ou comment ça? Mais oui, ça me permet de vivre. Donc il y avait quand même un salaire. Oui, oui, il y avait un salaire. Et à la radio, donc si on met radio et journal, ça faisait quelque chose. Oui, oui. Et cet argent-là, vous mangez, vous circulez, vous achetez des valises. Des... Mais cet argent-là, je mangeais. Il y avait ma famille. Non, mais parce que ma mère, mon petit frère, moi-même, ça faisait tout. Là. Mais pourtant, vous avez une famille assez moyennement riche, non? Non. Est-ce que tu as trouvé oui. ça, Dani? Non, mais vous m'avez dit qu'il y avait une grande chose qui s'est trouvée à la maison. Quand j'étais enfant, oui, la grosse maison avec la grosse clôture, oui. Mais grosse maison, ça, c'est... Mais ça, oui. C'était pas à nous, la maison. Donc voilà comment une jeune fille qui veut faire que de la littérature, que des choses de l'écriture, vit. Elle se lève tôt, elle travaille sur sa grammaire, elle va faire... un cours à la radio, si on peut dire. Ouais. Elle court aux Nouvellistes. Ouais. Elle donne son article. Elle travaille aussi comme assistant. Et parce que l'autre jour, vous avez dit ça il y a peut-être deux ou trois jours. Mm-hmm. À Étonnant Voyageur. Vous étiez à Étonnant Voyageur. Vous avez dit, c'est très chaud à Port-au-Prince. Très chaud. Alors tout le monde a pensé que c'est politiquement chaud. Elle voulait dire qu'elle a beaucoup à faire. Oui. Ce sont des mots qu'on n'entend pas. C'est pour ça que j'ai insisté, mais on va revenir sur votre travail d'écrivain. D'accord. Alors... René, on peut avoir un petit rhum. Deux petits rhums. Voilà, les alcooliques sont arrivés. Toujours à la fin de la soirée. Alors, je présente d'abord le patron. Et pas le patron du bar, pas le patron du café, le patron, c'est-à-dire celui qui a soutenu la littérature haïtienne à bout de bras, qui a augmenté le lectorat haïtien, qui a fait que des gens qui ne lisaient pas lisent, et tout le monde est d'accord là-dessus, c'est de tout temps l'écrivain haïtien le plus lu. Il s'appelle Gary Victor. Gary Victor, et ça c'est vrai, tout le monde sera d'accord aussi, publie un livre. On peut lui faire des compliments, il regarde le plafond, mais il publie aussi des anthologies de jeunes. Et là, si vous dites la moindre des choses, son visage s'éclaire et il vous écoute avec passion. Parce que c'est vraiment l'homme... le plus généreux que je connaisse. L'écrivain avec le moins d'ego. Mais on ne va pas l'embaumer là-dessus, on va passer à son livre lui-même, à sa littérature. Alors, Gary, quelle est ta continuité, ta liaison, quelles sont tes influences dans la littérature haïtienne? Est-ce que Justin L'Hérisson pourrait en être un? Bon.
Et Dani, je vais te dire que j'ai eu une histoire littéraire assez particulière. Tout simplement parce que mon père était un être extrêmement tyrannique au niveau littéraire. C'était le portrait de cet intellectuel haïtien coincé. Mais un critique connu. Un critique connu. En fait, donc, très jeune, moi, je lisais, il y avait ma mère qui était une grande lectrice et qui, elle, dévorait, qui lisait les romans policiers, les romans d'anticipation. Elle lisait Alexandre Dumas, elle lisait Paul Féval, Michel Zévaco. Et mon père disait toujours, écoute, qu'est-ce que tu lis là? Ce ne sont pas des livres qu'il faut lire. Et moi, je dévorais les livres de ma mère et je refusais de lire tout ce que mon père me disait de lire. Et j'ai commencé très tard à lire, par exemple, Jacques Fénalexis, qui a été le premier auteur haïtien qui m'a captivé. Mais je suis venu un petit peu très tard à lire la littérature haïtienne, justement par rapport à mon père, parce que je trouvais cette littérature trop coincée. Et je n'ai pas honte de le dire souvent, qui m'a vraiment réconcilié avec la littérature haïtienne par son humour, par sa simplicité, c'est Daniela Ferrière. Je le dis sincèrement. Pourtant, il nous sert à manger, pas toi. Non, ça va venir. On m'a peut-être oublié. Non, tu peux y aller, mais préfère. Allez, on continue. T'entendre. Oui. Donc, tu parlais de fil conducteur. Oui, je parlais. C'est parce que ta littérature est tellement inscrite dans l'histoire littéraire et en même temps, on ne voit pas de devancier autant que ça. C'est-à-dire, tu pratiques un humour qui est étonnant. C'est une sorte d'humour absurde. Humour fantaisiste, humour surréaliste. Par exemple, et dans les cloches de la Brésilienne, c'est une cloche qui n'a pas de son. Parce qu'on a volé le son. Oui. Il faut dire que j'ai beaucoup aimé certains, bon, j'ai pas en tête tous les noms, certains auteurs américains. Par exemple, un auteur policier comme Chester Himes, qui m'a toujours fasciné par son humour, parfois très, très absurde. Et en même temps, je pense que quand on est en Haïti, on vit quand même dans parfois avec cette absurdité toujours présente. Et j'ai vécu, je pourrais dire, j'ai grandi dans un univers carcéral avec mon père. On n'avait même pas le droit de trop sortir dans son quartier. Donc, j'écris surtout, j'ai commencé à écrire premièrement pour m'échapper de mon quartier. Pour découvrir mon quartier, pour découvrir ma ville, pour découvrir ma mémoire. J'avais un tas de choses à découvrir parce que même la radio ne pouvait pas écouter à un certain moment, tu vois. Mais pourquoi? C'était pas assez sophistiqué? Non, pas du tout. C'était quand même la dictature à l'époque. Il y avait un tas de choses qu'on ne pouvait pas faire, tu vois. Oui, non, je veux dire, pourquoi non. Ton père te refusait? Premièrement, on était dans un quartier assez particulier où il y avait trois tontons qui habitaient. On ne pouvait même pas passer devant devant chez eux. Donc, tu vois, on ne pouvait pas aller chez n'importe qui dans le quartier, tu vois. C'était... Donc, un certain moment, j'ai voulu écrire justement pour m'évader, pour explorer. Et comme on parle de voyage, et j'écris, je voyage pour découvrir mon espace physique, premièrement, et pour découvrir ma mémoire. Et quand je parle d'espace physique, je parle à la fois de mon quartier, de ma ville, du pays. Et en même temps, pour découvrir l'espace physique, mais même l'espace, je pourrais dire, mental. Tu vois, l'espace culturel. Mais c'est comme ça avec lui. T'as l'air devant un type désespéré. Mais quand vous ouvrez un seul livre, vous ne pouvez pas résister à rire. Donc les grands auteurs humoristiques ou comiques sont toujours des êtres désespérés quelque part. Et... Je pourrais dire que Gary Victor est capable de désespérer même Rossignol. quand je lis ce qu'il écrit comme éditorialiste, ça n'a rien à voir, tu es d'accord, avec ce qu'il écrit comme roman. Mais d'où vient cette dichotomie? D'où vient ce personnage complètement désespéré, noir? Il n'y a rien qui... Mon père était un tyran et tout ça. Et cet humour complètement rablésien. Sauf que je ne crois pas que je désespère, Dani. Parce que quand je reçois les retours de mes lecteurs, en particulier pour mes éditoriaux, je remarque de préférence qu'ils sont soulagés de trouver quelqu'un qui dit ce qui est vrai. Parce que souvent chez nous, on a peur de dire, on a peur de parler, on a peur de s'exprimer.
Et moi, je fais toujours attention à dire exactement ce que je pense. C'est vrai. C'est vrai. Sans fort. Mais dans les romans, c'est pas ça. C'est très... Les histoires sont épiques. Dans les romans, je vais encore plus loin parce que ce qui me choque souvent, ce qui me désespère moi, c'est que souvent j'ai l'impression que les personnages de la réalité vont plus loin que mes propres personnages. Ah, donc la réalité, ce qui se passe en Haïti, tu as l'impression que tu n'as pas pu rattraper cette réalité. Elle est plus bouillonnante. J'ai l'impression qu'elle va plus vite que la réalité que je dépeins dans mes romans. Et pourtant, tu écris plus vite que ton ombre. Ah oui, mais la réalité va encore plus vite que moi. Alors quand je dis ça, je veux dire minimum 3 livres par an. Non. Je parle des livres pour enfants aussi. Non, quand même, je n'écris pas 3 livres par an. Mais je parle des livres pour enfants. Je parle des anthologies. Apportez du rhum à ces messieurs. Attends. C'est à peu près ça, parce que c'est un lecteur, il a tout lu. Donc, mais cette boulimie, c'est pour essayer, comme tu dis, de rattraper cette réalité. C'est pour dire toutes les formes que prend cette réalité, tous ces contournements, tu as envie d'être au diapason. Non, moi je pense que j'essaie d'inscrire cette réalité, et je pourrais dire, dans un espace indélébile, parce que j'ai l'impression que ma mémoire a été trafiquée par un tas d'histoires fausses. Et en essayant, moi, d'écrire cette réalité, j'espère qu'il restera quelque chose qui donc permettra... tu dis pour permettre aux autres de voir et de changer. Et non, d'essayer de comprendre ce qui se passe. D'essayer de comprendre, parce que je n'ai pas la prétention de tout comprendre, de tout changer, mais au moins de poser des questions. Parce que chez nous, il y a trop d'anormalités qui sont des normalités. Mais tout ça doit être écrit. Alors j'aimerais savoir comment tu écris. Comment tu écris, c'est-à-dire, tu trouves une idée d'abord? Toujours une idée d'abord, un questionnement, quelque chose qui vous frappe, en général une souffrance. Et à partir de ça, je sais pas. En fait, pour moi, l'écriture, c'est une aventure, c'est une exploration. Tu vois? Au fur et à mesure, on découvre, on trouve des choses. Et ce qui me surprend souvent, c'est qu'on a l'impression que vos personnages, on perd le contrôle de ces personnages. C'est comme Dieu qui a perdu le contrôle de sa création et qui a provoqué le déluge. Même Dieu a perdu le contrôle de ses personnages. Et je crois qu'à un certain moment, tout auteur perd le contrôle de ses personnages. Quand un auteur veut à tout prix avoir le contrôle de ses personnages, il écrit en général un mauvais roman. Mais ces idées-là, ils viennent quoi de la réalité immédiate, de la situation politique, de ce que vous rencontrez en croisant les gens dans la rue? De tout à la fois, la réalité immédiate, ma propre réalité, ma réalité intérieure, ce que j'ai vécu, ça vient de tout. On ne peut pas vraiment savoir ce qui va vous frapper, ce qui va vous interpeller. Est-ce qu'il y a deux personnages en vous? Ce petit garçon que le père empêchait de sortir et qui passait par la fenêtre de l'imaginaire, et cet homme éditorialiste, conscient des malheurs qui se déroulent sous ses yeux. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a la part de poésie de ta littérature vient de ce petit garçon qui... Oui, parce que peut-être que le père tyrannique n'est pas là, mais cette société tyrannique est toujours là. On est quand même dans une société qui dénie, qui empêche vraiment la parole individuelle. Nous sommes dans un lieu où il faut toujours avoir une parole collective. Quand quelqu'un souvent veut dire quelque chose qui vient de lui, il a toujours peur, il a toujours, tu sais, il a des... On a plein de barrières devant soi. Et moi, j'ai l'impression jusqu'à présent de faire comme quand j'étais jeune, je m'envole par la fenêtre de mon imaginaire jusqu'à présent. Mais voilà, l'homme le plus désespéré de ce pays est aussi le poète. Et une sorte de Balzac, enfin, tu es talonné par cela, l'idée d'avoir une littérature dont l'abondance va finir par dessiner ton vieux projet, qui est de dire la réalité telle qu'elle est. Je ne pense même pas à ça, finalement. Je ne pense même pas à ça. C'est la phrase qui restera un jour, hein. Je ne pense même pas à ça. Je pense à ça. Mackenzie Russell, de l'autre côté de la barrière, les deux habitants à Haïti. Je pense...
Je pense qu'on est du même lieu. Oui, comment ça? Ouais. Et je pense que la littérature prend du réel pour mieux aller vers lui. Et donc, on fait avec des éléments du réel, on essaie de les sublimer, de les transformer pour mieux dire ce réel, pour mieux porter les gens à poser des questions. On les invite à poser des questions avec nous, on les invite à douter, on les invite à rêver. Je pense que c'est ça le travail qui passe par une langue, par un style, par une recherche formelle. Et aussi, quand on est dans le roman, par une construction. Et je pense que c'est ce qu'on fait tous autour de cette table. Pour le rire, j'ai l'impression que Gary, Victor rit franchement. Ouais. Toi, tu ricanes et lui, rit jaune. Et là, on va venir à vous. Pour le rire, j'ai l'impression que dans ton livre, il n'y a pas... Et autant Gary, dans ses romans, il enlève toute l'amertume de ses éditoriaux et ne garde que le rire, autant il y a un ricanement. Moi, je ris franchement. Ah bon? Ouais, je le pense vraiment. Je ris avec ce que je suis, avec ce que je ne suis pas. Je ris avec cette enfance que je n'ai pas eue. Je ris avec ce réel et qu'il faut transformer, qu'il faut sublimer, qu'il faut absolument écrire et donner à voir. Et voilà, on ne peut pas rire tout le temps. Il n'y a pas que ça dans la vie. Rigoler. Je parlais de ricaner, c'est autre chose. Ben, on ricane aussi, si on veut. C'est-à-dire, l'humour, c'est-à-dire un livre qui n'a pas d'humour, je ne dirais pas que c'est un mauvais livre. C'est un livre dans lequel il manque quelque chose. Donc, c'est-à-dire, il y a de l'humour, mais aussi il y a du réel, il y a du vrai, il y a du sensible. Donc, tu as dit, il faut l'écrire. Je ricane, entre autres. Oui, bien sûr. Mais tu as dit qu'il faut l'écrire. Et là, vraiment, et tout le monde le dit, c'est le nouveau prodige. C'est un écrivain qui n'a pas peur des thèmes. On va évoquer d'abord tes thèmes, qui ne sont pas des thèmes faciles, qui ne cherchent pas à rejoindre un public facile. Commençons par le premier, les immortels. Et les immortels, c'est au féminin, je crois, ce ne sont pas les femmes de l'Académie française, c'est plutôt les prostituées haïtiennes durant le tremblement de terre. Et dites-nous un peu, d'où est sorti ce premier roman? Ben, ce livre est apparu comme ça, après le tremblement de terre, tout le monde parlait du palais qui était tombé, du pays qui n'existait plus. Et moi, à l'époque, j'habitais dans la rue Monsieur Guillou. Dans une voiture? Et... Non, mais bien avant le tremblement de terre, mais dans une maison qui n'était pas vraiment une maison, mais voilà. Et donc après, j'avais été marcher dans cette rue, la Grand Rue, et l'État n'existait plus, tous les bordels étaient complètement désintégrés. Et j'ai pensé à cet ami que j'ai rencontré à l'INUCA après mes études secondaires. J'avais voulu faire des études. Et j'ai eu la chance de rencontrer cet ami, et voilà, dont la mère se prostituait pour pouvoir payer ses études. Je ne vais pas raconter l'histoire ici. Et j'ai tout de suite pensé à sa mère. Et en voyant toutes ces maisons tomber comme ça, tous ces bordels. Et j'ai eu cette phrase. Une ville sans pute, c'est une ville morte. Tout simplement pour dire une ville sans ses femmes... Une ville sans femme, sans ma mère, sans la mère de mon ami, est une ville morte. Et cette phrase m'a donné le livre tout de suite. J'ai écrit ce livre pour donner une voix à cette femme, à toutes ces femmes en Haïti qu'on oublie, qu'on piétine, à qui on passe par le micro, parce que ce n'est pas la voix qu'on veut entendre, ce n'est pas la bonne voix. Et voilà, j'ai voulu leur donner une voix. Et j'ai écrit ce livre justement pour ça. Et puis aussi pour avoir la tête hors de l'eau, hors du drame, parce qu'après le tremblement de terre, c'était quand même dur. Moi, j'étais en plein milieu du désastre. Et donc, j'avais besoin de respirer. Et Les Immortels, pour moi, c'est plus qu'un livre, c'est un lieu. C'est un lieu où j'accompagne ces femmes, et on discute, je sais comment se passe leur quotidien. Et voilà, ça m'a beaucoup aidé à respirer, à continuer. Succès partout. Et là, et un livre pour essayer de casser ce succès,
pour essayer de faire savoir presque qu'on est un écrivain avant tout et que ce n'est pas un bon sujet qui va nous emmener, mais quelque chose dans l'ordre de l'écriture qui s'appelle les latrines. Mais les latrines, c'est une autre histoire. C'est encore un lieu, mais c'est une autre histoire. C'est un lieu odoriférant. Alors, il faut le... Alors, les latrines... Ouais, moi, j'ai toujours tendance à partir du plus l'impossible pour... voilà. Alors, c'est là, voilà, un éditeur de Saint-Éloi qui reçoit 300 pages de latrines. Non, mais plus que ça. Mais plus de 800 pages, on a... Il a coupé plein de trucs, quoi. C'est-à-dire que... Ben, Mackenzie, c'est vrai que c'est les latrines, mais bon, voilà... Ton adolescence se passait dans les latrines. C'est-à-dire, raconte-nous un peu pourquoi les latrines. Les latrines, parce que... d'abord, je me suis posé la question, est-ce que c'est possible d'écrire un livre en mettant tout Port-au-Prince, tout ce qui se passe dans la ville, et puis tous les bruits de moi-même, tous les bruits de l'être, tous les bruits des bas-fonds de la vie, tous les bruits des bas-fonds de la vie. Et donc, j'ai tout mis dans ce livre, j'ai tout mis dans ce livre. J'ai pas eu à cœur de travailler sur la structure, de mettre les choses bien en place, de travailler sur un plan. J'ai tout mis et dans ce livre. Les latrines, parce que pour moi, la vie, il y a une part de latrine et dans cette affaire. Dans l'être humain, il y a une part de latrine, c'est-à-dire il y a un côté sombre dans l'être humain. Et j'ai mis cette phrase en exergue du livre, de Antonin Artaud, justement, il y a quelque chose dans l'être qui ressemble au caca. Et bon, moi, je mange là. Hein? Pardon. Il attendait ce mot. Et donc, et donc voilà, j'ai voulu questionner, sonder cette chose qui ressemble au caca dans l'être. Mais en plus, en même temps aussi, les latrines, la latrine elle-même, c'est un espace où, dans certains quartiers populaire avec des difficultés économiques énormes où les adolescents font l'amour, se rencontrent. Mais au-delà du c'est un espace de vie aussi, une latrine, parce que c'est le seul endroit fermé. Oui, bien sûr. Moi, fermé. J'ai entendu ma mère raconter plein d'histoires dans les latrines parce que... Oui, on raconte des histoires voilà, aussi. Voilà, parce que dans l'imaginaire haïtien, quand on fait un cauchemar, il faut aller raconter ça dans les latrines, voilà, pour que ça ne se réalise pas. Et donc, du coup, j'ai entendu ma mère raconter plein d'histoires dans... Pour chier ses émotions. Exactement. Et pour en confiant ça à une certaine dame mythique, qui s'appellerait Madame Victor. Madame Victor. Et moi, quand je vais aux toilettes, je dis... Attendez, je vais saluer Madame Victor. Dès que j'arrive dans une ville, je vais saluer Madame Victor. Non, mais derrière tout ça, derrière même ce rire très franc, il y a quand même une situation... dont certaines personnes ne sont pas au courant que des gens vivent dans des conditions où l'espace, le seul espace de solitude qu'ils peuvent avoir, c'est d'aller aux latrines. Mais moi, je pense que même dans une vraie maison... Oui, je passe beaucoup de temps dans les toilettes. C'est pas... Moi, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des toilettes bien, quoi. Et j'ai ma petite bibliothèque, je rentre, je m'assois, hop, je sors en livre. Voilà, je pense que dans les toilettes, que ce soit dans les toilettes ou dans sa voiture seule, on est bien. On réfléchit à plein de choses, il y a plein d'idées comme ça qui arrivent. Bon, plein d'idées, et puis tu as dit aussi, il faut quand même écrire le livre. J'aimerais bien qu'on vienne à l'écrivain, parce que c'est pas vrai, parce qu'on a l'air de parler des idées, oui. Mais il y a l'écrit. Oui, mais ça, c'est le plus difficile, parce que des idées, il y en a partout, des théories, il y a des encyclopédies, il y a plein de trucs. Si vous demandez à un enfant qui est en CM2 de raconter sa journée, il va pouvoir le faire, c'est-à-dire des histoires, il y en a partout. Moi, je pense que quelque part, je fais ce que m'avait dit Sonia Laboutancy à 14, 15 ans, on est écrivain à condition d'être poète. C'est-à-dire à condition de s'intéresser à la langue, à condition de transformer cette idée en quelque chose de beau. C'est-à-dire transformer cette idée en parfum, en quelque chose qui va toucher les lecteurs, en quelque chose qui va l'aider à s'élever, qui va l'aider à sortir de ses zones habituelles. Donc, ça, c'est mon travail. Donc, dans L'ombre animale, l'idée, c'était quoi? C'était de faire raconter une morte, une vieille femme morte, voilà, qui veut raconter sa vie, son village, ses parents, là, le monde, tout ce qu'on veut. Mais il fallait trouver une langue, un souffle. Et moi, je pense que le plus difficile, c'est ça. Tout le monde a des idées. Bon, alors voilà, c'est la parole d'un écrivain. Et ce que vous voyez qui vous semble naturel et a été écrit, c'est-à-dire pensé, rêvé et angoissé. Bien sûr. Est-ce que l'angoisse existe? Oui, bien sûr. Moi, dès mon premier recueil...
on l'a bien compris, c'était voilà, le recueil d'un jeune auteur qui, voilà, qui exprime ses angoisses, son mal-être, et aussi la beauté du monde, tout ce qui se passe autour de lui. Donc il y a de la beauté, il y a de l'angoisse existentielle, l'angoisse sociale, l'angoisse politique. Donc il y a tout ça. On fait avec tout ça. On écrit dans cette ambiance-là, dans une ambiance assez colorée, de la politique, de la société, soi-même, l'autre. Comment mettre tout ça ensemble, voilà. Mais l'auteur des latrines, l'auteur, celui qui a vécu dans une voiture durant le tremblement de terre ou après, est devenu maintenant un écrivain réclamé un peu partout, qui passe à Bruxelles, et au Botanique, et qui réclame de la boisson dès qu'il arrive quelque chose, quelque part, enfin, tout le monde lui doit quelque chose, et qui écrit beaucoup. Comment tu concilies ça avec le moment où tu vivais dans les latrines? Ah, moi, je ne pensais pas que ça allait se passer comme ça, parce qu'en écrivant Les Immortels, déjà, ben, mon premier recueil en 2007, je le faisais parce que je n'avais pas le choix. C'était la chose à faire. Il fallait m'exprimer, cracher cette existence de merde dans ce quartier de merde, dans ce pays de merde. Et voilà, dire l'existentiel haïtien ou l'existentiel de Mackenzie Orcel, moi, je ne pensais pas que ça allait avoir autant de succès. Je ne l'ai pas fait pour avoir du succès. Je n'ai pas écrit Les Immortels pour avoir du succès. Comment peut-on demander à un jeune haïtien, après tremblement de terre, d'écrire un livre pour avoir du succès? Ce n'est pas possible. Je l'ai fait. Eh bien, que... oui. Eh bien, oui, parce que mon neveu, le lendemain du tremblement de terre, ou deux jours, oui, le lendemain, je suis allé voir ma mère. Il était là. Il m'a pris dans un coin, il m'a dit « Toi, c'est la dictature, moi, c'est le tremblement de terre. » C'est-à-dire, ce type était en train de négocier avec moi la plus grande catastrophe contemporaine. Il dit « Moi, j'ai le droit de parler du tremblement de terre. » Je crois qu'un écrivain négocie tout le temps, comme un marchand de tapis. Ouais, il négocie ses émotions, il négocie... Moi, je pense que j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer en 2007 une très grande dame qui s'appelle Michel Pierre-Louis, qui a lu mon premier recueil. Et elle m'a dit tout de suite, Mackenzie, tu vas me chercher en pro-format chez Henri Deschamps. Je vais publier ce livre. Et voilà, merci beaucoup à Michel Pierre-Louis. Et je salue la présence d'Elisabeth Pierre-Louis qui est là. Et j'ai eu la chance aussi de rencontrer Rodney Saint-Éloi, après un tremblement de terre, qui m'a appelé et qui m'a dit, Mackenzie, tu m'envoies tout ce que tu as. Et il a tout publié. Et j'ai eu la chance aussi de rencontrer Laure Leroy, qui a repris Les Immortels et avec qui je travaille. Tu continues. Et donc autour de moi, il y a plein de gens, c'est-à-dire il y a toute une vie. Il y a Néhémy, il y a James Noël, il y a Martine, il y a Guy Vitor qui m'a appris plein de choses. Il y a toi, il y a Kevin Sévaris qui est là, qui est un poteau mutant de l'art haïtien aussi. Donc moi, on fait avec tout ça. On avance dans cette ambiance-là. On ne peut pas avancer seul. Et donc, ah, magnifique. Et puis, ben, alors, on t'a cité? Je crois que vous cherchez ça. Est-ce que tu cherchais? Oui. On t'a cité, ce pays n'arrête pas, Néhémy Pierre Daromé. Alors, ce qu'il a fait, lui, Néhémy Pierre Daromé, c'est qu'il a voulu apparaître comme une étoile. C'est-à-dire, il a fait quelque chose qu'on croyait impossible pour un Haïtien, il a gardé un secret. Il n'a dit à personne que son livre allait paraître, son premier roman, Au Seuil. C'est tout à la fin qu'on a su qu'il y avait un jeune écrivain haïtien qui venait de publier son premier roman Au Seuil. Pourquoi as-tu gardé ce secret? Pourquoi as-tu cru que c'était un secret qu'il fallait garder? Si, je me le suis dit à moi-même. Pendant un an, ça n'arrêtait pas de m'empêcher de dormir. Je me suis dit, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que cela finalement va finir par se faire? Et ce n'était pas un secret dans le sens où je n'étais sûr de rien, à la vérité. Je ne savais pas que, avant que de signer le contrat, je me suis toujours demandé, est-ce que, bon, ça va finir par se faire? Est-ce que je vais accepter les exigences, s'il y en aura, etc. Donc, je n'ai pas vécu la chose sous le manteau du secret. Ceci dit, chacun des paroles des poules pas vanter. C'est-à-dire, les chiens sauraient parler s'ils voulaient vendre leur secret. Ils gardent leur secret pour pas que ça se vante. Donc voilà. Je ne suis pas un chien, hein, mais. Oui. C'est la formule. Oui, bien, non, c'est bien compris. Alors, ce roman s'appelle Rapatrié. Et R-A-P-A-T-R-I-E, accent aigu, S. C'est quoi ce titre d'un seul mot? La littérature haïtienne est habituée avec des titres lyriques. Et là, boum, Rapatrié. Le participe passé pourrait être trompeur. Ce n'est pas du tout, il ne s'agit pas d'un ensemble de rapatriés, il s'agit du nom d'un lieu.
qui serait dans la périphérie de Port-au-Prince. Après le tremblement de terre? Non, bien avant. Ah, bien avant, oui, oui. Bien avant, oui. Exactement. Et qui, vous voyez, je ne négocie pas le séisme. Voilà. Et qui abriterait donc des gens qui auraient essayé de partir aux États-Unis. Je parle au conditionnel parce que c'est un peu un lieu littéraire, oui. Un lieu inventé. Peut-être pas aussi factice que le Macondo de Gabriel Garcia Marquez, mais quand même, tout de rapatrié ou presque est né de ce que je pense pour pouvoir être un lieu aussi carcéral que son nom. C'est-à-dire, on tente de voyager aux États-Unis, on n'y arrive pas et on est hébergé par le gouvernement dans un lieu qui non seulement héberge les rapatriés, mais qui porte le nom rapatrié. Donc, c'est l'histoire d'une famille dans ce lieu. Belliqueuse Luisin et Sobner Saint-Just vivent à rapatrier et au fil du récit finiront par accorder un destin à chacun de leurs enfants, dont deux qui se feront adopter. Ce livre commence quand même par un événement exceptionnel, la mort d'un enfant. Ah, c'est toujours terrible de parler de l'infantilité. On vient de parler avec un angoissé. Non. On va reprendre parce qu'on veut montrer que la littérature haïtienne n'est pas un énorme éclat de rire seulement. Pas que. Alors, c'est toujours difficile de parler d'infanticide, du meurtre. Mais c'était pas, oui, quand même. C'est-à-dire, il y a quelque chose effectivement de très médéen. Belliqueuse Luisin, essayant de voyager aux États-Unis, n'y arrivant pas, balance, j'ai du mal à le dire moi-même, un enfant par-dessus bord, croyant que personne n'allait s'en sortir, il y a une tempête, etc. Ça modifie les perceptions. On ne sait jamais pourquoi on commet ces actes-là, encore moins la personne qui commet et encore moins le narrateur. C'est une scène très forte. Et figure-toi, Dani, que j'ai pensé à enlever du roman après l'avoir fini. Mais en relisant et en regardant, je me suis dit, c'est pas possible. Ça fonde la psychologie du personnage, ça fonde la narration. Cela se passe certes 10 ans avant l'histoire, mais cela explique pourquoi elle aura la force de faire adopter ses deux enfants, pratiquement de s'amputer de ses deux filles, parce que c'est quelqu'un de très lié à ses enfants et qui ne fait pas adopter sur des coups de tête, mais quand même. Donc cette scène très forte bénéficie, je l'espère, d'une écriture plutôt classique et distanciée qui permet de ne pas tomber dans le pathos. Parce que tout simplement, je ne me vis pas comme un angoissé. En tout cas, si je le suis, j'espère ne pas utiliser le travail romanesque comme exutoire. Certes, je suis d'accord avec Mackenzie Orsel que le travail de l'écrivain est d'abord un travail de poète, mais pas forcément la poésie du poème, où chaque phrase serait une forme de vers et le roman une collection de vers absolument fulgurant. Je pense qu'il y a une poésie du narratif à retrouver que l'on trouve dans les situations. Moi, Da sur sa galerie me paraît poétique, que l'on retrouve dans les rebondissements. Pour moi, le mec d'un banal oubli qui s'oublie dans un bar est un bon postulat poétique qui peut se retrouver dans la psychologie des personnages. Stefan Zweig est un maître pour ça. C'est-à-dire que la poésie du genre du narratif, c'est-à-dire la situation, les rebondissements, etc., peut être tout aussi forte et essentielle pour l'écrivain que la poésie du poème. Mais il y a beaucoup de poésie aussi dans les noms des personnages. Je vois que il y a presque chez vous un goût pour les noms des personnages. Oui, ils ont des surnoms et des surnoms de surnoms. C'est vrai que j'ai un goût particulier pour l'onomastique dans ce roman. C'est un travail sur les noms. Hein. Déjà, rapatrier, c'est un nom de lieu. Tout explique ce travail sur les noms. Déjà, moi, je m'appelle Jean Néhémie Pierre. Mon père étant pasteur, il a donné à tous ses enfants des noms de la Bible. Il aurait pu nous appeler la Sainte Bible, que ça aurait fait plus court. J'ai un frère qui s'appelle Josué, j'ai un autre frère qui s'appelle Abel, ma sœur s'appelle Marie. C'est-à-dire, bon, c'est... Jean, voilà. C'est l'enfant chéri, c'est le frère du Christ. Tout à fait, sauf que moi, étant mauvais garçon, on m'a appelé Caïn en référence à mon frère Abel. Donc, j'étais censé être le mauvais garçon de la bande. Donc, j'ai toujours été marqué par mon nom personnel
Néhémie en Haïti, c'est beaucoup un nom de fille, hein? Même si c'est un nom de poète, de prophète, qui veut dire Yahweh protège et console, mais en Haïti c'est beaucoup un nom de fille. Et je jouais au basket avant, on va te faire respecter avec un nom de fille dans une banlieue à Port-au-Prince sur un terrain de basket. Bon, j'ai très vite changé ça pour maestro, comme je jouais très bien. Et étant étudiant, je me suis... Tu sais que je joue très bien, j'étais malmené la fois dernière. C'est vrai que t'es pas mal. Sur un terrain de basket. Donc, étant étudiant, je me suis donné le nom de Dolmancé. Emily en sait quelque chose, puisque je lui ai offert une petite plaquette de verre que j'ai faite avec le nom de Dolmancé. Dolmancé, c'est un personnage de Sade dans la philosophie dans le bouloir. Ah, de la Bible à Sade. Ah, ben oui, on fait de grosses transitions. Dans la philosophie dans le bouloir, il y a Dolmancé, bon, qui fait tout ce qu'il fait avec Eugénie et Madame de Saint-Ange. Et voulant m'attribuer ces prouesses extraordinaires, je me suis fait appeler Dolmancé étant étudiant. Autant vous dire que ça a eu un peu de succès auprès des filles. Bon, voilà. Et c'est une stratégie. Hein, c'était tout. C'était seulement ça. Et donc, je change de nom à chaque fois dans ma vie. J'arrête pas. Bon, j'espère que ce sera le dernier. Pierre Dahomé, nom d'auteur. Rapatrié. Et vous avez parlé, les filles, tout ça, un goût de séduction. Mais il n'y a pas de séduction dans ce livre. C'est un livre sérieux. Sérieux, à ce moment-là. Oui, mais pas lourd. Sérieux dans le sens qu'il y a une gravité quand même. Oui, c'est vrai qu'il y a, c'est bon, c'est des sujets graves qui traversent Rapatrié. Déjà l'impossibilité de voyager, ensuite la maternité, la filiation par l'adoption, etc. C'est un ensemble de sujets graves. Mais tu sais, il y a une dichotomie assez torturante de savoir est-ce que en tant qu'auteur, encore plus, heureusement ou malheureusement, en tant qu'auteur haïtien, est-ce qu'il faut traiter les sujets sombres de plein pied, c'est-à-dire mettre le pied dans le plat, prendre le taureau par les cornes, ou est-ce qu'il faut aller sur les sujets légers pour ne pas plomber, etc., pour ne pas, bon, vivre mieux ce qu'on vit dans la littérature. J'ai fait le pari plutôt symétrique à ces deux paris-là, c'est-à-dire de parler de sujets graves tout en prenant des grands airs. C'est-à-dire, je suis comme ça. Je suis comme ça, j'aime bien les idées les plus tortueuses, mais j'aime bien pouvoir en parler très ouvertement devant un large public, etc. C'est un sujet grave, mais qui, encore une fois, Mackenzie l'a effleuré, bénéficie de la composante essentielle de l'humour. C'est-à-dire, parmi tout ce que j'ai dit précédemment qui constitue la poésie du narratif, il y a l'humour. C'est une... Pas la grosse blague, hein, pas la vanne. On est dans le rhum babanco, là. Une seconde. Se calmer, hein. Oui, parce que là c'est... Non, moi, ça va. On se calme. Non, pas pour moi, merci. Donc, oui, non, ça va bien. Merci. Il y a toujours ce moment où tout le monde parle. Je disais que l'humour est quelque chose de, une composante essentielle. Bon, c'est pas à toi que je le dirai, évidemment. C'est une composante sur laquelle tu travailles beaucoup. Mais même pour des auteurs qui ne travaillent pas autant que toi sur l'humour, je pense que contrairement à la grosse blague, hein, ou à la vanne, etc., pouvoir saisir le paradoxe d'une situation et trouver ce qui, dans ce paradoxe, se révèle être drôle. Je pense que c'est... En tout cas, tous les romanciers que j'aime font ça. Gabriel Garcia Marquez fait ça. Enfin, deux fois que tu dis son nom, on arrête un petit peu là-dessus. Alors, quelle est l'influence de Gabriel Garcia Marquez? Tu l'as cité avec Macondo tout à l'heure, dans ton travail d'écrivain. Ah, j'espère qu'il a une influence certaine, puisque sur moi, lecteur, il en a une grande influence. Je n'arrête pas de lire Cent ans de solitude depuis que je l'ai découvert. Je l'ai lu un certain nombre de fois et du coup, j'ai lu beaucoup d'autres œuvres de Gabriel Garcia Marquez. C'est un auteur... Tu m'as mis en garde de cela, je ne sais pas si tu t'en souviens, on devait aller faire une présentation au groupe privé de mai pour la DNL et Meli Prophète. Qui a ceci de particulier qu'il peut nous donner l'impression que la littérature se fait de cette façon-là et pas autrement. Du coup, ça peut être très écrasant. Son influence sur moi, c'est essentiellement sa tendance à l'épopée. C'est-à-dire que non seulement les personnages sont très relevés dans leurs répliques, qui ne sont pas des dialogues, c'est des répliques, chaque phrase vaut quelque chose, mais aussi les personnages vivent des choses extraordinaires.
Ce qui peut avoir pour dommage, j'ai eu ce genre de retour négatif sur Rapatrié, que les situations peuvent ne pas être assez creusées pour le nombre de personnages. Un seul conseil, dites jamais de mal de ton livre. Tu n'as pas eu de retour négatif, le mien était positif jusqu'au bout. Jusqu'au bout, on n'en est pas encore là, à l'autodérision. Et je salue chez Néhémie Pierre Daromé un livre de, presque transparent à force de classicisme. Un livre avec ce qu'il peut suggérer de difficultés de premier roman. Mais c'est pas donc ça les autres peuvent en dire du mal de mon livre. Non, je veux dire, c'est pas ça qui compte. C'est pas les, là où l'on a trébuché dans le premier roman. C'est la promesse de ce livre. Et il est magnifique. Alors, on va passer à Martine Fidèle. Oui, je parle de son prochain livre. Oui, Fidèle. Alors, Fidèle. Martine Fidèle. Martine Fidèle, c'est un cas. Martine Fidèle, c'est un cas. Et je vais, juste avant de passer à l'écriture elle-même, passer, disons, à la narration, au récit de cet écrivain. Alors, le premier roman s'appelle « L'homme au sexe de fer ». Oula. Recueil de nouvelles. Un programme. Un programme. Fille de protestants, famille protestante, dont le père a entouré la maison avec presque des barbelés, non. Oui, il y avait aussi des barbelés, mais c'était une très grande barrière, haute comme ça. On pouvait à peine voir le ciel. Pourquoi ce père a voulu enfermer ses filles? Pour qu'on étudie mieux. Et pour éviter les sexes de fer. Oui. Attendons. Que les amis ne rentrent pas. Pour que les amis ne rentrent pas. Pour que le monde extérieur n'entre pas. Pour que vous soyez plus enfermés. Mais il avait une autre raison aussi, à cause de votre sœur. Oui, oui. On était trois filles, en plus de ma mère. Donc, autant nous enfermer. Autant vous... Ça faisait peur, peut-être. Mais Monique arrivait à sortir. Toujours. Toujours. Monique, c'est ma soeur consanguine. D'abord, elle m'est tombée sur la tête. Donc, je l'ai vue débarquer un bel après-midi à côté de mon père et elle me dit, c'est la grande soeur. J'avais à peine 6 ou 7 ans, je crois. Mais depuis, avec Monique, c'est le bouleversement. C'est un moment de trouble. C'est-à-dire, dès qu'elle est quelque Monique sort toujours. On ne sait pas comment. Et qu'est-ce qu'elle fait? Vaudou, l'amour. C'est ce que je me demandais au moment, parce qu'à chaque instant, Monique sortait. Quand elle revient, c'est un scandale. Mon papa, là-bas, il y a du sang partout, il y a des excuses. C'est au fil du temps que j'ai compris, quand Monique sort, elle va faire l'amour. Monique baise. Chaque jour. Chaque jour, et ça peut aller jusqu'à 24 heures. Monique peut passer toute une journée dehors. S'il vous plaît, je sais que vous êtes énervé. Attends, alors là, vous comprenez maintenant pourquoi la barrière est si haute. Oui. Et là, vous êtes, vous, d'une nature complètement différente. Comment êtes-vous? Est-ce que vous êtes... Je ne prends pas ça à la blague. Est-ce que vous êtes d'une nature méditative? Quel genre de personne êtes-vous? Et timide, pudique, méditative? Le matin, je suis méditative. De 10h à 2h du matin. La semaine, je suis travailleuse. Travailleuse. Grande combattante. En week-end, à partir de 7h jusqu'à minuit, 1h du matin, 2h, 3h, je danse. Monique. Tout est bien, Monique. Donc, alors, il ne faut pas, d'ailleurs, c'est ça que vous voulez dire, c'est qu'il ne faut pas dire qu'il y a Monique complètement différent. Et l'ange et non, le démon, pas ange, c'est non. pas ça du tout. Non, non, non. Tu n'es pas un ange non, non plus. Non plus. Et donc, le premier recueil de nouvelles qui s'appelle « L'homme au sexe de fer », on dirait un livre de Batraville aussi. Et comment il est sorti? Et comment il a été publié? C'était tout un sport. Tout un sport, tout comme ma vie. On bouge toujours, on cherche toujours. Donc, quand j'ai terminé avec les textes de l'homme au sexe de fer, j'étais à la faculté. Mais bien avant l'homme au sexe de fer, il y a eu Amalgame de mon silence. C'est un recueil de poésie. Oui. Donc, c'est là qu'a commencé l'aventure. Donc, j'étais au Collège Saint-Pierre. J'étais en classe de seconde, j'avais 16 ans. Donc, j'avais mes poèmes. Et pour les publier, il me fallait 25 000 gourdes. Ah.
Mais oui. Donc, puisque j'avais... Est-ce qu'on peut faire une conversion, mais l'ambassadeur, oui. 25 000 gouttes, c'est combien à peu près? Ça fait moins de 500 dollars américains. À l'époque. À l'époque. Moins de 500 dollars américains. Oui. Mais j'avais pas d'argent, mais j'avais maman. Et j'avais ma boîte à lunch, j'avais 100 gouttes pour la récré chaque jour. C'est-à-dire 1,60 $? Oui, si on peut dire ça. 1,50 €. Ok. Alors, comme je nourrissais aussi l'envie de vivre par les livres, alors ben, j'ai pris la décision de devenir marchand de sucettes. Sucettes, oui, c'est... Oui, je me suis mise à vendre des pioulis, des petites sucettes avec la baguette. Ouais, bah, Monique, ça. C'est beau sucer. Oui. Oui. C'est une décision qui m'est venue avec l'aide de maman, puisque maman elle-même ne travaillait pas. Et comme je ne pouvais pas aller vers mon père et dire « Papa, ben, j'ai des textes, écoute, je vais devoir. » Parce que l'école, le collège CPR, ça faisait déjà beaucoup. Hein. Oui, il n'y avait pas que moi, il y avait mon frère, il y avait beaucoup d'autres. Donc, la maison à faire marcher, tout. Alors, ces pioulis-là servaient à oui. Il faut les vendre pour pouvoir publier votre premier recueil de poèmes. Chaque après-midi, ma mère et moi, on fonçait au bas de la ville, on achète de gros paquets de sucettes. Ah, c'était avec la collaboration, la complicité de... Oui. Et puis le lendemain, il y a ma boîte à lunch. Ben, je sortais le petit déjeuner de dedans. Soit je lave à la vitre ou je laisse à la maison. Je remplissais la boîte, puis je fonçais à l'école. Et vous vendez ça à qui? Je passais dans toutes les salles de classe. Je vendais à tout le monde sur la cour, au prêtre une fois. Au prêtre? Oui. Une sucette pour le prêtre? Pour le prêtre. Parce qu'avec lui, c'était sûr. Ça vient à la loi de sucette. Avec le prêtre, ce qui pouvait être sûr. Et mon père, j'ai ça pour vous. Et comment ça, vous avez ça pour moi? Ben, c'est mon petit commerce, alors je viens vous offrir. Une sucette, on dirait une chanson de Gainsbourg. Oui. Ouais, une sucette pour le prêtre. Et là, le père, c'est dans un moment, puis il me considère. Il prend 25 gourdes, il me donne. Mais ça ne suffit pas. Garde de la monnaie. Avec lui, c'était toujours garde de la monnaie. Oui, mais ça ne suffit pas pour publier non, un livre. Non. Et puis, avec tout ce va-et-vient, grâce à un prof de littérature qui lisait tout le temps mes textes, j'étais acheminée vers Monseigneur Jean-Zaché Duracin. Un évêque. Oui. Protestant. Oui. Et puis, non, on va dire épiscopalien. Hein. Épiscopalien. Oui, c'était lui à la tête de l'église épiscopale. Oui. Alors, j'ai expliqué mon projet, j'ai dit, voilà, j'ai des textes. J'avais aussi des textes de poésie et aussi des textes pour l'homme au sexe de fer plus tard. Oui. Alors, j'ai expliqué les deux projets. J'ai dit, voilà, j'aimerais me faire publier. J'ai expliqué tout, j'ai pas menti. Et là, dans deux jours, j'avais le chèque. Malgré le fait qu'il ait vu des textes érotiques. Il savait que ça parlait de sexe, il savait que ça parlait d'angoisse, de désespoir, de folie, de peur, tout et tout. Ben, une passion jeune, quoi. Il est très ouvert, si l'on oui, peut dire. Oui, très belle personne. Et vous avez, comme on dit en Haïti, rebissé avec double corps. Oui, ça c'est le troisième. Et qui est aussi quelque chose de subversif. Oui, de chaud. Oui, de chaud. Très rouge. Et c'est quoi ce double corps? Double corps, c'est un roman qui met évidemment en scène la bisexualité, l'homosexualité. Dans un pays où on est d'accord avec tout sur ça. Oui. C'est même tabou de parler de relations entre un homme et une femme. Voire entre deux sexes. Pareil. Donc, mais le père, où est-ce qu'il est? C'est l'homme qui a construit la barrière. Il est là. Les murs il sont tombés, comme dirait James oui, Noël. Il lit mes textes. Maintenant, il m'encourage à publier. Ah oui. Donc vous avez conquis tout le monde. En 2011, lorsque j'ai publié L'homme au sexe de fer, il y avait un tableau derrière Martine Fidel, L'homme au sexe de fer. Et moi, j'étais un petit peu enfant, tout et tout. Oui. Il y a mon père qui se tenait à côté de moi. C'est un protestant? Oui. Mon père n'est pas protestant. Ma mère, ma soeur, moi, tout et tout. Mais mon père, c'est un protestant. Il est plus strict que protestant. Plus strict, voilà. Avec il mon se père, tenait... Mais pourquoi il se tenait à côté de vous? Il a trouvé le talent? Il a vu qu'il y avait un talent ou bien une détermination? Peut-être. Ou bien peut-être, un amour qu'il a de peut-être vous? Peut-être que c'est la détermination. Il aime sa fille. Parce que mon père, il adore les études. Ah. Il aime quand tu étudies, il aime quand tu rapportes de belles moyennes. Ça, tu peux avoir son cœur grand ouvert comme ça. Tu peux avoir Monique, sa poche. Monique n'aimait pas l'école. Monique n'aimait ni lire. Non, mais c'est vrai. Monique n'aimait pas l'école. Monique n'aimait ni lire, ni écrire. Est-ce que Monique n'est pas un personnage de roman? Ça, je m'en suis rendu compte. Parce que les livres regorgent de gens qui n'aiment pas lire. Oui. Monique est mon personnage de roman, mais elle n'est jamais citée.
Jamais cité. Donc c'est une réflexion qui m'est venue un peu tard. Moi, j'ai grandi dans un univers catholique, biblique, tout et tout. Je suis branchée par le sexe. Le sexe, ça me parle. Quand j'écris, j'ai envie de taper sur le tabou, sur l'interdit. Toi, tu veux pas parler de sexe, moi, je veux parler de sexe. Partout. Mais toi, c'est une façon de parler, parce que comment faire l'amour avec toi? C'était en 85, vous n'étiez pas né. Voilà. Mais je vous écoute avec beaucoup de... Alors, ça a été l'homosexe du fer, puis c'est devenu, c'est avec double corps. Et là, la question que je me suis posée, mais oui, les autres me disent, Martine, tu parles toujours sexe. Dès que tu publies, on sait qu'il y a le sexe, on sait que le sexe n'est pas loin. Mais après des minutes de réflexion, je dis, ben ouais, il y a eu Monique. Ouais. Il y a eu Monique qui sortait, et quand elle revenait, c'était toujours du scandale. Il y avait Monique qui n'avait pas peur de faire l'amour à deux, trois hommes à la fois. Il y avait Monique qui, à la fois, je dis bien à la fois, je l'ai surprise une fois dans la douche, oui, à la fois. Il y avait Monique qui n'avait pas peur d'enfreindre les règles de la maison. D'enfreindre les règles de les la règles maison, de c'est la ça maison. Oui. Oui. Mais c'est ce que vous faites avec la littérature. Oui. C'est-à-dire vous faites la même chose que Monique, mais à l'écrit. Oui, j'essaie de sortir de cette enfance et on va dire... Donc la littérature peut permettre de tout faire. C'est-à-dire d'écrire comme Monique fait l'amour avec l'approbation du père cette fois. Parce qu'il est à côté de vous. Avec trois nègres, sans se fatiguer. Non, mais je veux dire, Monique n'a jamais cité dans mon livre, mais mon père ne sait pas que c'est à cause de Monique que tout ça vient. Hein. Il ne le sait pas encore. Est-ce que tu as le numéro de Monique? Alors là, oui, ça, non, cette, non. Cette question justement me fait penser à une chose. Monique non seulement représente le sexe, pour moi, j'étais enfant, elle représente aussi la liberté. La liberté? Oui, le vaudou. Ah, le vaudou aussi? Aussi. Dans cette maison protestante? Oui, oui. Comme Monique sortait chaque soir, comme elle avait toujours une excuse pour laisser la maison, mon père a pris le soin de tout acheter. Soit bougie pour la nuit parce qu'il y avait peu d'électricité. Tout et tout. Et tu sais ce que Monique faisait? Elle entrait dans la maison, elle prenait ses bougies, elle les cassait, elle les jetait dehors. Maman s'en est aperçue un beau matin. Il y avait une petite dame à côté de chez nous, c'était Marie-André. Un beau matin, elle s'est levée et puis elle s'est mise à parler fort. Elle vient de faire magie devant la camoyen. Et regarde, il y a des bougies. Parce que, oui. Tu sais ce que ça veut dire? Il y a des bougies, tout et tout. Mais maman a attendu. Parce que dans la soirée même, Monique était partie acheter des bougies. Oh, il y avait dans la maison. Et quand on fait un peu le lien, c'est Monique qui prend toutes les bougies, elle les casse, elle les jette pour qu'on envoie dehors et pour qu'elle aille baiser. Je vois. Alors, c'est là que m'est venu le mot magie. Mais j'aimerais parler de l'écrivain quand même. Oui, oui. C'est pas des anecdotes. On peut toujours avoir vécu des choses difficiles, mais il faut les écrire. Il faut les écrire. C'était quoi l'influence? Comment est venu cela? Vous avez toujours commencé avec des sujets durs ou bien vous avez commencé à faire des fantaisies? Je commence toujours avec l'interdit. Toujours avec l'interdit. Toujours avec alors, l'interdit. Alors, le truc, c'est interdit. Oui. Il faut que ça me parle. Il faut que ça questionne. Sinon, vous n'écrivez pas. Sinon, je n'écris pas. Donc, vous attendez que d'être ému, d'être questionné, d'être... Si ça ne parle pas de sexe, si ça ne parle pas de combat, de lutte, de femme, je n'écris pas. Quand j'écris pas, je fais du théâtre. Ah oui, c'est ça. Oui. Alors, le théâtre, c'est quand même pas vous qui écrivez les pièces. Souvent, hein. Ah oui? Souvent. J'ai 15 ans de carrière. Je fais partie de la compagnie Théâtre Ami. Je suis à la fois actrice et je viens après le directeur artistique. J'écris pour ma compagnie. J'écris aussi pour des maisons de production qui œuvrent sur des feuilletons radio, télé, tout et tout. Je joue à la fois. Donc, c'est ça. Donc, votre vie est... Est-ce que vous avez l'impression que, malgré tout cela, que votre vie est en train de prendre un autre chemin? Maintenant que vos livres seront sûrement publiés, c'est des éditeurs
qui ne vous feront pas payer, mais c'est toi qui ne vous fais pas payer non plus. Non. Chez Mémoire d'Encrier, chez d'autres éditeurs, vous voyagez, vous étiez il y a quelques jours, deux ou trois jours à Saint-Malo, vous êtes à Bruxelles, de grandes villes littéraires du monde. Mm-hmm. Est-ce que ça vous fait peur, ce nouveau, de n'être plus l'enfant rebelle? Est-ce que ça me fait peur? Des fois, oui. Quand je me trouve seule dans une chambre d'hôtel ou quelque part, sans maman, sans mon frère, sans la famille. Oui, sans Monique qui nous a quittés tôt. Oh, elle est morte? Elle n'est pas morte. Ah, elle est... Mon papa un jour a décidé que ça durait trop. A vu que ça durait trop. Donc Monique n'avait pas encore 18 ans, je pense. Oh. Donc un beau jour, elle avait de la famille dans la ville. Un beau jour, mon père dit, Monique, je n'ai pas que toi, j'ai deux autres filles. Aujourd'hui, tu dois faire un choix. Soit tu restes ici, tu vas à l'école, tu étudies et tu grandis correctement, ou tu prends le chemin de la sortie. Et Monique, avec ses deux petites malles, elle a pris le chemin de la sortie. Et depuis, elle n'est jamais revenue. Elle est allée vivre à la rue Saint-Martin. C'est l'un des ghettos haïtiens aussi dangereux. La rue Saint-Martin. Quand maman et moi, on s'échappe pour aller voir Monique, sa maison est un petit carré avec pour meubles un lit assez défait, un petit téléviseur. Donc elle vit dans la misère par rapport à la situation qu'elle avait avant. Mais Monique sourit toujours. Elle préfère la liberté. Monique sourit toujours. Et Monique n'a pas grand-chose, mais elle a toujours quelque chose à donner. Même si c'est un vieux ceinturon tout blasé, « Ah, Martine, je te donne ça, tiens, prends ça, ça te fait du bien, ça, ça. » Donc c'est quelqu'un de très ouvert, de très souriant, de très... Ah, bon, et là, mais il semble que vous êtes en train de préparer une collection de jeunes filles. Oui, 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 ça sort. De jeunes haïtiennes. Oui, oui, ça sort bientôt. Ça sort bientôt. Et c'est quel thème? Quel est le thème? J'ai pas voulu enfermer les jeunes filles, enfin, j'ai pas voulu nous enfermer dans un thème précis. Moi, j'aborde la solitude, la dépression. Il y en a d'autres qui abordent la folie, le sexe, tout et tout. Donc, on va dire que c'est un gros sac de voyage et puis on met toutes nos émotions là-dedans. Et bien voilà. Mais ça parle de combat. C'est le fond, c'est le combat. Voilà. Voilà, tout était dans un éclat de rire joyeux à propos de sexe, folie, dépression. Lui, infanticide. Et aussi, et Gary Victor, à la fois un éditorialiste lucide et presque désespéré, mais l'auteur le plus drôle que je connaisse. Mackenzie Russell, on a bien entendu, on voit bien une ambition littéraire extrêmement puissante, avec des textes qui rendent ça crédible, et tout à fait. Et en dernier lieu, juste pour finir, avant de rappeler tous nos amis pour qu'ils viennent sur la scène, un poète haïtien publié par Mémoire d'Encrier, que j'ai bien connu et qui est venu, je pense, la dernière fois qu'il est venu à la maison, tu étais là. Il était à un mois de sa mort, à peu près. 15 jours de sa mort. Il était venu manger à la maison un dimanche. Rodney était là et à un moment donné, il a dit, dans une sorte d'enfance, et ma femme qui est infirmière voyait bien, moi, quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu qu'il était déjà mort et ma femme voyait bien et il lui disait, il ne faut pas qu'il fume. Et j'ai dit, ah non, quand même. Parce que ce qu'on a fait, on a demandé une exception à l'hôpital pour qu'il puisse sortir, pour faire une fête avant qu'il meure, parce qu'on savait qu'il allait mourir. Wow. Donc, il a mangé chez moi, et puis ensuite, on allait chez Dany pour qu'il continue à manger. Donc, la fête a continué. Donc, c'était deux fêtes pour... Deux fêtes pour lui. Il a dit, un poète doit toujours pouvoir fumer et boire. Et j'ai trouvé... Et ça... Oui. On ne peut pas être intelligent sans le vin, dit-il. Et là, on va lire un poème de lui qu'il a écrit vers l'âge de 16 ans. Il s'appelle Oma Barigor, qui est le nom d'un endroit secret. Oma Barigor. La ville que j'ai créée pour toi. En prenant la mer dans mes bras et les paysages autour de ma tête. Toutes les plantes sont ivres et portent sur leur printemps, sur leurs tiges que les vents bâillonnent, au milieu des forêts qui résonnent de nos sens. Les arbres sont debout qui connaissent nos secrets. Toutes les portes s'ouvrent par la puissance de tes rêves. Chaque musicien a tes sens comme instrument et la nuit en collier autour de la danse. Car nous amarrons les orages au bras des ordures de cuisine.
La douleur tombe, comme les murs de Jéricho. Les portes s'ouvrent par ta seule puissance d'amour. Ô ma Barigore, où sonnent toutes les cloches de l'amour et de la vie, la carte s'éclaire comme ce visage que j'aime. Deux miroirs recueillant les larmes du passé et le peuple de l'aube assiégeant nos regards. Voilà un jeune homme de 16 ans. Il faut montrer son visage, parfois les loups. Il faut montrer son visage. Et quand il est mort, il avait fait juste avant la seule entrevue qu'il avait donnée à Radio-Canada. Et quand il est mort, on m'a appelé pour venir évoquer sa mémoire, son visage, son parcours. Et la jeune femme a dit, et c'est pas possible, on ne l'a pas connu. Et quand cette dame est arrivée pour faire l'entrevue dans sa petite chambre, il a dit, mais madame, ça fait si longtemps que je vous attendais. Et parce qu'il avait ce petit parler un peu précieux. Et on n'a pas entendu une langue aussi belle depuis très longtemps. Et c'était Davertige qui parlait. Est-ce pourquoi j'ai dit précisément que cet homme vit depuis plus de 25 ans à Montréal dans l'ignorance de tout le monde? La différence entre Davertige et Ducharme. Ducharme cache étrangement son corps du public tout en lui dévoilant sa part la plus secrète, son âme. On ne connaît de Davertige ni son corps ni son âme. Un poète secret se promène librement à Montréal. Donc c'était ça un peu. Il y a un autre grand poète haïtien, juste pour les présenter, Magloire Saint-Aude, c'est un poète extraordinaire. C'est celui qui a changé son nom. Sa mère était une servante, une cuisinière qui travaillait chez les Saint-Aude. Il a dit à son père, qui faisait partie de la grande bourgeoisie intellectuelle, propriétaire du quotidien Le Matin, qui était Clément Magloire, et il s'appelle en fait Clément Magloire fils, mais il a dit à son père, je ferai de ton nom un prénom et du nom de ma mère un nom. Nous sommes dans les années 30. Et il s'est appelé Magloire Saint-Aude. Il a vécu dans les bas-fonds jusqu'à sa mort. C'est des gens qui ne remontent pas quand ils descendent. Il a pris soin de soigner sa chute. Et il a écrit des poèmes. Breton a salué en lui l'égal de Nerval. Et il a dit, Breton, il faut remonter jusqu'à Nerval pour trouver quelqu'un qui arrête le sphinx comme Magloire Saint-Aude. Il aurait pu le comparer à ses amis Apollinaire. Il a dit, depuis Nerval, on n'a pas entendu une voix aussi forte. C'est une voix économe. L'ensemble de son œuvre poétique fait 44 pages. Et il a écrit Dialogue de mes lampes, Tabou, Déchu. Et les derniers vers de son dernier poème, c'est le mot silence sur les quais du silence. Et il n'a plus parlé, il n'a plus rien écrit. 44 pages. Picasso a voulu orner de son talent et son livre dans la collection Personne. Il y avait Wilfredo Lam aussi. Trois ou quatre peintres ont voulu parler de ce poète. Dimanche, à l'horizon des fièvres, pour la voix au bal du poète, le poète chant lugubre au rire de chat. Le cœur léché, fêlé par les veilles, dites aux litanies délacées et dites le lieu, le buste, au gré de mon reflet. Cloué, incomplet aux éventails, dans ma douceur mort, torpeur dans mon sang déganté sans amour, après-midi dénué à tire-d'aile, je descends, indécis, sans indice, feutré, roité, loué au ras d'épaule. Et il n'est jamais remonté, il a trouvé que c'était une gloire de descendre. Et lui, il a aussi, on peut dire, dans cette collection de poètes, Calbois aussi, et que je voyais tout près de chez moi quand ma mère m'amenait à l'église, à la messe de 4 heures, et qu'il me pointait du doigt cet homme affalé dans son vomi et sa pisse, et qu'il me disait, pour me dégoûter de cet art, c'est un poète. Et que quelques mois plus tard, précédé de 23 voitures de couronnes couvertes de couronnes de fleurs, le poète était salué par des funérailles nationales. C'est un pays surréaliste où les dictateurs enterrent les poètes nationalement.
Alors, c'était cette petite soirée magnifique où j'espère que vous avez entendu des voix différentes. Est-ce que ça peut venir pour les gens? Oui, oui, absolument. Voilà, ils sont là. Ils sont là, nous sommes là.